Ouais poteau, moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatsou. Hey, je veux que ma mère soit. Oh, j'ai pas de manger, moi, j'ai non pas mais parce que. Oh vraiment, si j'ai bon. Deux fils de pute, je vais te choper. Y'a rien, wesh. Culer, hein. Vas-y, bah derrière qui toi? Mais quoi, c'est Léa? Mais tu fais quoi, Moussa? Non, mais parce que ma coupe, vraiment j'y tiens. Non, mais c'est ma coupe, j'y tiens. Ok, sors ton calibre, Mais c'est mes cheveux, Calme-toi, c'est mes cheveux, j'y tiens plus que ma vie. Range ton arme. Tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Range ton arme. Non, 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 parce que moi, c'est la première fois que je suis ici. Tout de suite maintenant, la bande de salons. Calme-toi, vas-y, remets-toi au travail. C'est bon. Parlez-moi mieux. Idriss, sors le faire ou pas? Eh, le client est roi, t'es un ouf toi ou quoi? Vas-y, refais. Les habitants de tête, touche pas mes habitants de tête. Refais-moi au max, non, tranquille, coiffeur. Waouh. Vas-y, chef, fais-moi une. Mais toi, alors, ah, toi, non, c'est lui, viens ici ta mère. Alors, toi, alors, avance, tu vas pas te coiffer, avance. Petit fils de pute, monte dans la Buffalo. Prends lui ses affaires à ce fils de pute là. C'est lui, il nous a volé la drogue. Monte. Donne-moi tes affaires, fils de pute, bah. Tiens, mon pote. C'est lui? Ouais, c'est lui. Tyrell, à l'aide. Quoi? Appelle même. Mais on va lui baiser sa mère à Tyrell. De toute façon, Tyrell, il se mêle. On est légitime à l'enculé, on est d'accord, hein. Mais quel. Je t'autorise, moi, Céline, je t'autorise. Moi, je suis gentil. Ferme ta gueule, t'as voulu nous baiser. Non, c'est pas ce que tu crois. Si, t'as voulu nous baiser, je vais te baiser ta mère, tu vas voir. Regarde, moi je suis Patrick, moi, c'est pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Hein. Première fois que tu me baises, je te baisse ta mère. T'as compris ou pas? Ouais. Descends, petit fils de pute. Va là-bas, tu vas où? Va là-bas. Viens là, au fond, dans le noir. Ça va, Badia, t'as bien dormi? Ouais, franchement, bien, et toi? Ouais, ça va. Ah, ma bitch, j'ai mal dormi à cause des familles. J'ai pas fermé l'œil, hein. Je te jure. Oh ouais. Elle est où, ma cam, fils de pute? La cam, je te la ramène d'ici. Tu me la ramènes d'ici quoi? Comment ça, d'ici quoi? Là, dans 5 minutes. Non. Pourquoi tu l'as pas vendue? Parce que j'avais peur, je te mens pas. T'avais peur de quoi? De la police. Ah, de la police, t'avais peur de la police? Oui. T'avais plus peur de la police que de moi? Non. Comment ça, non? Bah j'ai plus peur de toi que de la police, mais j'avais pas le choix. Non, t'es un menteur, tu sais pourquoi t'es un menteur? Parce que toi t'es le pote à Tyrell et t'as juste voulu nous baiser gratuitement, non, petit fils de pute. Ouais, ça a aucun rapport. Arrête de mentir. Je mens pas, j'ai vu c'était de la coke, j'ai hésité. Arrête de mentir, t'étais avec Tyrell, j'ai trouvé avec Tyrell, Tyrell il est parti de la voiture, toi t'as fait l'hypocrite, t'as fait genre ouais machin, je vais la vendre ta cam et t'as voulu me baiser. Ça a aucun rapport, Tyrell. Arrête de mentir. Je mens pas. Bon. Déjà il a le sourire aux lèvres, fils de pute. Enlève ton sourire. On va t'enlever ton âme là. Enlève ton sourire. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Je m'en prends. Tiens, prends. Pourquoi tu mens? Attends, mais tu crois que je rigole là avec toi? Tu crois que je rigole avec toi là? Tu me fais des cris de gobelin, fils de pute? Eh, déjà il va nous rendre la cam. Il va nous devoir des trucs lui. Tu vas te manger une amende, fils de pute, t'es à nous. Là, tu nous appartiens, t'as vu, et à vie. Tu vas nous payer tout le temps. Toi, tu vas être le premier qu'on va piétiner et qu'on va faire subir le. Il a pris combien? 20 pochons. Là, tu les as du coup. Tu les as pas vendus. Non, ils sont où? Tu les as donnés à qui? T'en as fait quoi? À Trix. Ah, tu les as donnés à Trix? Oui. Ah, et tu lui as dit, ça venait de qui? Ouais, je lui ai dit ça à vous. Et il t'a dit quoi? Bah, et t'as dit quoi? Je leur passerai, je sais plus, ça fait un petit moment, c'est hier, je crois. Normalement, il doit vous les rendre. Appelle-le. Mais j'ai bloqué son numéro, moi. Appelle-le, toi. J'ai pas son numéro, moi. Attends, je te le donne. C'est pour ça que j'étais bien dans ma vie, je l'avais pas. 1069. Petit fils de pute. J'ai envie de te baiser ta mère. Non, c'est bon, je vais te rembourser, mon pote. Appelle-le, 18, t'as rien à nous dire, juste? Juste ça, comme ça, pour voir si jamais il va le dire de lui-même ou pas. Tu lui dis quoi, tu m'as dit? Tu lui dis ouais, t'as rien à nous dire? Et travaille-le comme ça pour voir si de lui-même il allait le dire ou pas. Un truc qui nous appartient ou quoi? Oh, allô? Ouais, c'est Bader. Ouais, t'es où là? Pourquoi tu nous. Hein? Parce que
Tu t'attendais quoi pour nous passer ce que t'as là? Mais non, je parle pas du... Ah non, tu... T'as des trucs à nous là. Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Hein? Bah là, Kame. Je suis avec... Comment je t'appelle? Kame. Il t'a passé de la drogue qui était à nous, il te l'a dit, non? Ouais, bah ouais. Vas-y, j'arrive là à récup. Vas-y. Je vous ai dit, les mecs. Fils de pute, si jamais t'as la drogue qui est à nous, tu la donnes pas à Trix, tu la donnes à nous. Désolé, j'ai paniqué. Ferme ta gueule. T'as compris ou pas? Ah ouais. La prochaine fois que tu refais un truc comme ça, je te la mets dans le crâne. T'as compris ou pas, petit fils de pute? Et là, tu nous dois. Il nous a pris combien? 20, tu nous en dois 40. Combien de dollars? Ça nous fait combien de dollars? Ça se vend 7. Fils de pute, tu vois, lui, il va nous servir à quoi, Céliane? Il va nous acheter de la cam à Trix. C'est vous, je dois lui niquer sa mère, je vais mettre une patate, Thierry. Fils de. Dans les yeux. Oh, écoute, la coque, on la vend 1000$, ok? Ça veut dire toi, tu vas nous rembourser le double. Tu fais le compte et tu fais 20 fois 2000$. Et c'est l'argent que tu nous dois en plus de la drogue, t'as compris ou pas? C'est bien compris, petit fils de pute? Tu vas nous baiser, non? C'est bon. Non, qui voit l'âge? Mais non, petite pute, ouais. Voiturier. Oh, raccroche ton téléphone, raccroche. Ouais, quoi? Il t'appelle, mon frère là. Il te parle. Ouais, pas besoin d'agresser. Ça nous intéresse le Beretta. Ça nous intéresse le Beretta. Ouais. Arrête de courir. Ça nous intéresse le Beretta. Arrête de courir. Envoie. Arrête de courir, s'il te plaît. Ok, du coup. Tu parlais de qui au téléphone? Tu parlais à qui? C'était un collègue. Tu connais pas. Ouais, du coup. J'ai juré, char mon pétard. Y'allait orange, fils de pute. Non, range, dépêche-toi. Range. À 3, non, je vais te tirer dessus. Je le jure, hein. On est en plein public, qu'est-ce qui se passe? Je m'en bats les couilles, je te baisse toi et ton public, fils de pute, tu sors ton arme! Ça va les oranges, les petites putes? Oh là là. Mais putain, mais pourquoi vous le frappez là? Il a rangé son arme! Il a sorti son pétard! Arrête, vous êtes nos chiennes, c'est comme ça bougera pas! Viens, wesh! Non! Pars! Cours! Il y a des mecs qui nous tirent dessus! C'est pas nous, il y a des mecs qui ont tiré! Non! Oh yes, c'est bon! Idriss, comment? Oh là, j'ai failli me faire. Je te jure, il y en a un qui. Mais pourquoi là où on va à chaque fois, il y a de la merde, les gars? Mais parce que. Y a... Frérot! On s'est matrixé là, tous en nous trois, on s'est matrixé. Dans ton dos, il y en a un, il allait sortir un pétard, je lui ai tiré dessus cash. Putain, j'ai fait comme papa, les gars, vous avez vu, il m'a proposé un tête à tête, j'ai sorti le couteau direct. Non mais attends, Bader, il y en a un, il était derrière toi. Ouais, j'ai vu. T'as surveillé mes arrières. Merci, mon frère. Regarde ce fils de pute. Yo, les man. Ça va, Lamar? Ça va et vous? T'es vraiment un gros... Mais t'as pris du poids depuis hier. Ah ouais, c'est parce que je me suis passé tranquille. Là, je mettais des pantalons serrés et tout ça pour bien que ça se voit pas que je suis gros. Mais là, je me suis dit décontacté, j'assume mon corps. Ah ouais... Non mais... Bah écoute, si t'es bien dans ton corps... Ils ont mis un skin de Balti, c'est incroyable. T'es bien, c'est plus important. Ouais, tant que t'es bien, c'est incroyable. Oh, tu connais la crise au Mike? Ouais, je le connais. Tu peux l'appeler? Dis-lui, y a des mecs qui veulent. C'est quoi, c'est un journaliste lui? Non, c'est un habitant. Dis-lui, Attends, faut lui faire un guet-apens en gros, t'as vu? Ah, tu veux le choper? Ouais. Tu voulais nous parler de quoi déjà pour commencer? Ouais, déjà, tu voulais nous parler de quoi déjà? Moi, c'était, tu sais, pour le truc de l'Empire là. Ouais. Moi, je voulais savoir, ça vous dit, je vous amène des poulains qui revendent. Ouais. Comme ça, on fait une armée. Ouais. Un cartel comme dans Scarface. Exactement, ouais. C'est vrai? Ouais. Attends, parce que je vois. Mais c'est qui? Si tu nous ramènes la même équipe qu'hier. Bah, le truc, c'est qu'ils avaient pas de gun, tu vois. Mais là, on a trouvé un vendeur d'âme, mais elle faisait monter, le monsieur. Ouais. Ouais. Tu vois, attends, je sais son numéro à lui. Tu veux pas nous baiser, Radjubit? Yo, je suis pas une lobsa, man. Non, au cas où.
Parce que je vois, t'as beaucoup de verres. Et voilà quoi. Ah, ça, c'est Moumou, il m'a dit de m'habiller comme ça. Vous, vous aimez pas les familles? Si, si, on aime bien, on aime bien. Ah, si, si. Non, c'est juste qu'en gros, voilà quoi. Toi, si tu veux pas devenir un familles. Bah non, mais c'est eux, ils m'ont dit de m'habiller comme ça. Ok, ok. Ok, ok, comment on fait pour... Déjà, oui, c'est bon, et comment on fait pour la crise au mic? Bah, attends, parce que je vais lui dire de m'appeler, mais il a mon numéro. Attends, mais Lala, là, son numéro, je suis con, je vais lui dire, moi, il me connaît bien. Attends, j'appelle Lala et je te chope son numéro de suite. Vas-y, mon champion. Ouais, biatch. Ouais, dis-moi, tu connais la crise au mic? T'as son numéro, s'il te plaît? T'as son numéro? Yo, tu me mens. Mais pourtant, elle est dans le truc, non? Ah, non. Attends, c'est bon, désolé, je t'ai dérangé pour rien. C'est pas toi qui as son numéro. Attends. C'est Elena qu'il faut que j'appelle. Oh! Elena, c'est la gonze à Idriss. Ah ouais? Bah, Elena, elle a son numéro, normalement. Vas-y, attends, je l'appelle. Yo, biatch. Non, je rigole, elle est pas de téléphone. Ah. What the fuck? Vas-y, hey, c'est la galère. Attends, je vais... Parce que moi, elle aime bien le truc, la crise au mic, c'est que j'avais son numéro, mais j'ai pas enregistré. Un trou de balle. Elle avait trop de chiffres. Vas-y, viens, on va voir Elena, elle doit être au bar, là-bas. Ah, mais c'est là que tu rigolais pas avec tes honoraires. Non, non, vraiment, c'est un tap, hein. Tu fais quoi, Gradubi? Tu restes là? Ouais, Elena, on peut se capter ou pas vite fait là? Attends, mais. Genre même pas 5 minutes. Non? C'est Idriss. Ouais, si tu veux. Ah ouais, désolé, j'ai oublié de t'envoyer un message. Vas-y, ben, envoie-moi une passe à ce numéro. Ouais, le mec dans le bar. Tu rentres? Ah, il m'appelle, c'est bon. Ah, c'est bon, vas-y. Il appelle. Hey, fais genre, Mike. Fais genre de rien. Ouais, bien. Ouais, tu te rappelles de ce que je t'avais parlé la dernière fois sur le toit? Ouais, tu peux venir si je t'envoie une position là. Non, dis-lui, nous il nous envoie. On y va, nous. Hein? Vas-y, y va. Où tu veux, tu m'envoies et je viens. Vas-y. Bah, il m'a dit soit je lui envoie, soit lui, il nous envoie, donc. Du coup, quoi? Qui c'est qui lui envoie? Bah, on va lui envoyer comme ça, il se doute de rien. Eh, hey, je suis trop fort en fait, j'ai trop de contacts. Mais Lamar, mais oui, tu vas être notre. Tu vas être notre bras droit en fait. Fils de pute! Ah! Viens. Viens avec nous, avance dans la voiture. Ah, c'était pas toi tout à l'heure, en plus, je t'ai parlé toi. C'est l'histoire de la crise au mec, tu imagines, non? Non. Va dans le coffre, Lamar, va dans le coffre. Dans le coffre, descends, dans le coffre. Oh Lamar, t'as le fils de pute. Dans le coffre. Non, c'est bon, Lamar il va dans le coffre, il est trop gros. Il rentre même pas dans le coffre, c'est un peu. Ferme ta gueule, on t'a dit quoi hier? Ton reportage de fils de pute! Oh. Prends-lui ses affaires! C'est bon, j'ai pris. Oh, ton reportage, on t'a dit quoi? On t'a dit floute ou on t'a pas dit floute? Ah, la tête de ma mère est couille. Je voulais flouter, j'ai un vieux truc de montage. Je m'en bats les couilles, eh ben tu sors pas le reportage! Tu mets une image au pire, je sais pas. Vous êtes qui? Vous ferme ta gueule! Au montage, fils de pute. On t'a dit floute, tu floutes pas! Et là maintenant, oui, tu vas avoir des problèmes bien plus gros. Fils de pute, comment je t'appelle toi la crise au mec, c'est ton prénom? Marlon. Tu veux pas flouter toi, tu vas voir. Ah, c'est comme ça, tu baises les mecs de ton quartier, sale enfoiré. T'es pas de mon quartier toi, t'es un fils de pute. Et quel quartier? Pas toi, Gradubi. Allez, écoute, forum. Yo, espèce de l'autre, Gradubi. Tu vas faire quoi? T'es la bière du quartier. Voilà, Gradubi. Espèce de l'autre, ça va venir, ça va te mettre dans une cave, une chaise, à poil, man. Ouais. J'ai grave du bide, t'es chaud hein? Non mais je l'aime pas lui. Allô? Colonel? C'est bon, on a le fils de pute. Tu m'entends Papa Chango? Tu m'entends? Ouais c'est bon, je t'entends, on l'a. Bien, oui bien, où est-ce que vous êtes? On arrive à l'aéroport là. Vous allez devoir attendre un poquito, soyez discret hein. Un poquito, c'est-à-dire combien de temps? Quelques minutes, le temps qu'on vienne sans nous couper nous-mêmes. Vas-y, c'est bon.
est bien discret. Eh sinon, sinon tu nous envoies un pilote et il nous conduit là-bas. Hein. Il y a des avions. Il y a des Ah, on vient pas avec vous en gros. Ça, nous on te le dépose. Non, non, c'est bon. Mais si tu veux, je te laisse à l'aéroport. Si, justement, si. Et je m'a souri. Je vais te laisser un petit quelque chose. Ok. Je t'attends à l'aéroport, on va le travailler un peu. Très bien. Vas-y, parfait. Bon travail. Toi, t'es dans la merde, toi. Ah, t'es dans la merde. Toi, t'es dans l'extrême merde. Tu vois, y'a la merde, on fait quoi, les gars? Tu vas canner, c'est ça le délire. Mais dites-moi, j'ai fait quoi, s'il vous plaît, j'ai fait quoi? T'as fait des reportages sur des gens qu'il fallait pas et t'as mis nos têtes alors qu'il fallait pas. Voilà ce que t'as fait. Allez, descends. Oh, la vie, c'est un jeu. On dit. Assieds-toi par terre. Putain. Mets-toi là en bas d'escalier à terre. Donne ton bob. Bitches. Vas-y, s'il te plaît, je l'ai acheté cher. Bah les couilles, donne. Tiens. Tiens mon corps. J'ai fumé récemment? Bien vu. Je m'en rappelle plus. Oh les gars, faut m'expliquer. Moi, écoutez, je suis juste journaliste, tu connais. Je suis là, je fais mes bails. Je fais rentrer les thunes. C'est on tout. T'as dit de flouter, t'as pas flouté. Donc voilà, c'est ça le délire. Vous c'est bougez tout. Trop, vous aussi. Le truc, ça bouge pas. Et alors, tu fais journaliste. C'est ta responsabilité, oui. En vrai, si te... tu sais pas monter. Si on te l'avait dit une seule fois, ça va. Là, on te l'a dit 15 fois au moins. Donc écoute, tu nous prends pour des cons, et ben nous on va te mettre dans la merde, c'est tout. Et vu que tu es qu'une merde, ferme ta gueule. Ouais, t'es une merde. Là, je me suis mis à sa place, et certes, ouais. Putain de merde. On va pas avec eux, nous. Non, on va pas avec eux. Y'a votre cadeau dans le coffre, comme d'habitude, messieurs. Igo. Voilà, il est dedans. Perfect. Sors. Il doit vous dire, viens avec moi, amigo. Viens avec moi. Viens avec moi. Toi, baisse la tête. Céline, viens. Ouais, mon ref. Eh, on l'a un petit peu commencé. Vous voyez, il est en sang et tout, mais. C'est un gros bordel à Caio Perrico ce soir. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau pour ce mec? Dis-moi ce que tu veux, je te le fais. Non, moi, je veux que demain, quand on a le rendez-vous, tu te portes garant pour nous. Tu prennes les devants, tu prennes l'initiative, tu prends des risques. Tu dis non, eux c'est des bons, faites-leur confiance, donnez-leur tout ce qu'il faut. Je m'y engage. Non, parce que, oui, mais tu dis ça à Papa Chango, désolé, hein. Peut-être que tu vas mal le prendre, mais hier t'as fait un petit peu le. Tu as fait le con hier, tu as fait le con. Non, moi non. Toi, Céliane, mais toi, Bader, tu as fait le con, putain de. Oui, mais t'as alcoolisé. T'as pas témoigné pour nous, tu vois. Eh oui, vous avez fait les cons. Écoute, par ma parole d'honneur. Colonel Papa Chango, je m'engage demain à être avec vous et à vous assister avec ce putain de cartel de merde. Corseam, mon frère. Corseam, c'est bon. Merci pour ce putain d'enculé, je vais me charger de lui, il va faire une vidéo d'excuses. Ils ont manqué de respect. Et faites-la supprimer parce que moi je suis dans la vidéo, moi, et ça veut dire que les gens ils vont savoir qu'on travaille avec vous. Il va la faire supprimer et il va s'excuser envers tout le monde. Ok, c'est bon, attendez, je le remets. Merci, messieurs. De rien. On aura l'occasion d'en parler plus tard. Ferme ta gueule, toi aussi, et réponds pas au mec de Caio Perico quand il parle. Réponds-leur pas, fils de pute. Ça va? Vous avez perdu vos mains à l'armée, monsieur? Allez, je les garde un peu au chaud. D'accord. Dedans, ça marche. Allez, ciao, la crise au mic, ciao. Bon courage. Allez, passez une bonne soirée. Hein. Au revoir, les caillots péricains. Vas-y, les caillots, fils de pute. Ouh, regardez la petite pute qu'il y a. Eh, sors. Dès qu'on finit, tu te changes. On sort. Yo, c'est vraiment vos putes maintenant. Par contre, là, ils vont nous braquer. Bah ouais, ils vont nous braquer à la sortie. C'est vraiment des biats. Là, il a fait 2-3 calls radio. Tapez. Allez, on va sortir le pétard. Même moi, j'ai la sacoche. Allez, je vais sortir le pétard, vu qu'apparemment, il y a des fils de pute qui veulent nous baiser. Qu'est-ce qu'il y a? Appelle les Vagos et les Familles. Appelle les Vagos. Il y en a un, il rentre, je le tire dessus. Je m'en bats les couilles, je vous baise. Eh hey, cassez-vous. Le premier qui rentre, on l'allume. Eh, je vise grave bien. Eh hey, c'est pas votre magasin de vêtements, les familles, si vous venez, ils vont vous baisser vos mères. Eh bah sors ta mère alors, sors. Je sors pas, je reste là. Non. Reviens Idriss, ils vont te braquer, reviens Idriss. Rentre, Idriss, mais non. Vas-y, monte dans le véhicule. Viens Idriss, rentre. Allez, vas-y, monte, allez. Rentre, Idriss, rentre.
Voilà Idriss, c'est bien. Je vais pas leur parler, c'est des fils de pute ces mecs là en fait. Faut tirer leur dessus, c'est chiant. Je vais pas leur tirer dessus, ils vont nous baiser. Attends. C'est comme ça, tu prends des couteaux, tu plantes les gens. T'as dit quoi? Eh, hey, baisse ta mère! Eh, hey, nique ta mère, Soso, fils de pute, je te baise! Appelle même ta chienne de mère la pute, fils de pute! Là, appelle le petite pute, t'es un gang, mais tu dépends d'un gang, la honte! La honte! T'es une petite chienne! Eh, hey, Soso! Sors ton pétard, Idriss! Mais même pas besoin, je vais appeler Trix, attends! Tiens, attends, je te pose des balles. Je vais appeler, il va arriver. T'as combien de balles là? Ça va. Autorisation, mais vous entendez, bande de salopes? On a l'autorisation, des petites putes! Bande de chiennes que vous êtes! Y'en a un, il range l'allume! Vas-y, le premier qui range l'allume! Vas-y, rentre! Mais je m'en bats les couilles de Trix! Je m'en bats les couilles, je lui pisse dessus lui aussi! Rentre si t'es un homme! Rentre si t'es un homme, je te tire dessus! Je vais te tirer dessus, si tu rentres, je te tire dessus! Je te jure que tu rentres, je te tire dessus, frérot, c'est simple! Moi je t'encule toi et Trix! Voilà, dealer, crie! Eh les gars, la tête. En fait, vous connaissez. Oh les man, j'ai appelé My Boy Trix, il a dit vous arrêtez de braquer sinon c'est la guette, donc arrêtez de braquer! Les gars, c'est toi. Oh non, mais alors lui! Ok, c'est toi qui décide, soit je te sors d'ici, soit c'est fini après. Comment ça, tu me sors d'ici? Soit je leur dis de dégager de mon bingo. Mais après, c'est fini. Je veux pas de ton aide, Tyrell, désolé, merci. D'accord, tant pis. Il est où Bader? Il a dit ils ont pas le droit de baquer. Il est où Bader? Ok. On veut pas de l'aide de Tyrell, on est d'accord hein? Maintenant je l'ai appelé, il m'a dit ça. Bah ouais, bah les couilles. Non, va te faire enculer toi aussi. Ok. Nique ta mère Tyrell, fils de pute, t'es qu'une merde. Eh ouais, si vous rentrez, on vous tire dessus, ouais. Tu rentres? Rentre pas. Fais gaffe. Non, pas toi, toi tu peux. Ah, sortez. Toi tu peux, toi. Dis, je fais quoi? Mais y'a un orange, j'y rentre, je l'allume! Ils ont pas besoin de baquer. C'est pas bien ce qu'ils font. Attends, j'ai même moi, toi. Eh, cassez-vous, je vous balance une pierre, bande de fils de pute. Viens, t'as du bingo. Ah, allo, Tix. D'accord, ok. Je vais prendre une balle perdue, je crois. Bah ouais, sors. Ça va tirer, hein. D'accord, ok. Yo les oranges, écoutez-moi! Ils sont barrés! C'est bon, je les ai fait partir. Ah, ok, d'accord. Il faut que vous vous barrez les trois frères. C'est bon, je les ai dit de partir orange. C'est bon, je leur ai dit de partir orange. C'est bon. Ils sont barrés. Ah! Tire dessus. Cachez-vous! Cache-toi, Célian! Je l'encule! Cache-toi, Célian! Cachez-vous. J'ai besoin de balles. J'ai failli mourir. Cache-toi. J'ai besoin de balles, donne-moi des balles. Tyler, donne des balles. Donne des balles, j'en ai vite. Non, j'ai plus de boîte. Mais ils sont encore là? Les gars, je vais leur balancer une pièce, j'en veux bien. Faut qu'on se barre là. Attends, fais gaffe. C'est nous. Vas-y. Ils sont barrés les oranges. Je vais les baiser les oranges à tirer chez vous. Comme papa. Ils nous tirent dessus ces fils de pute. Ils nous tirent dessus, ils repassent, ils nous drive by. Eux ils tirent sur mon bingo. Ils ont tiré sur ton bingo eux. Eux ils tirent sur mon bingo. Ils ont crevé les pneus, descendez, ils ont crevé les pneus, Ils sont pas crevés là si? Si putain. Non, c'est quand ils ont tiré, c'est ça je crois. Si ouais. Je passe. Regarde, ouais, Raphaël un bingo. Eh mais barrez-vous, y'a les filles qui vont arriver les gars. Ouais, cassez-vous, vas-y.
Vite, viens, on va se barrer, y'a les flics qui arrivent. Venez, 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 je suis dehors. Je crois que j'en ai touché. Je sais pas si j'en ai. Vite, venez, venez vous planquer chez moi. Vas-y, vas-y. Cavale. Oh. Ah, mais c'est pas le Club Med ici, les man. Vous réfugiez pas au quartier, Bader, t'es un baiser. Mais non. Y'a des flics qui vous veulent là. Prenez la tête, prenez-vous. Ouais, prenez un dans le coffre, bah, vas-y. Un dans le coffre, y'a que deux places. Elle est fermée. La voiture grise, elle est. Elle est fermée. Elle est ouverte. Axe. Vas-y, cassez-vous. Mais y'a. Mais. T'inquiète, mets-le dans le coffre. Mais toi, sors, t'es trop énorme pour ce coffre. C'est mort, ouais. C'est bon, je vais vous suivre. Suivez Aiden, suis mon pote, Aiden, donne-nous ta caisse. Ouais, prends-nous ta voiture, Aiden, T'es un bon, Aiden. Là, une amère, non. On va te la rendre, fils de pute, ouais, sérieux ou quoi? Aiden, descends, Aiden. On te la rend, on est intact. Vous êtes des bons, les gars. Force. Vous êtes tous des bons ici. Bon trou du cul. Oh les petites putes! Les petites putes! Oh les fils de pute! C'est ta mère que je vais casser! Oh! Revenez à 12 la prochaine fois parce que vous étiez pas assez, bande de fils de pute! Viens, Amir, viens, recule, va fils de pute! Vas-y, reste un bonhomme! Reste un bonhomme! Ta mère! La moto! La moto! Les motos! Les bécanes! Quoi, qui est pas content? Vous voulez que je descende? C'est la vachette ou quoi là? Arrête. Et les insulter, d'accord. Les écraser, ok, en dehors de leur quartier. Mais là, non. Oh, ce coup de pression! Va sur ceux là-bas là. Je pense que comment ils ont la haine, il y a moyen, ils craquent hein, même devant eux. Monsieur! Ouais, les petites chiennes, ouais, les oranges! Oh, ça se fait contrôler ou quoi, les petites putes? Partez là, dégagez, vous êtes en plein contrôle de police, dégagez là. Pardon, mais parce que c'est des petites putes. Non, on a bien compris ça. Ah voilà, même vous êtes d'accord, c'est des petites putes. Oui, on l'a bien compris ça. Oh les petites chiennes. Attends, mets-toi sur le côté s'il te plaît. Oh les chiennasses là, écoutez les agents. Bien vu, bande de salopes. Oh, délit de fuite, il fait un délit de fuite. Ah, délit de fuite. Délit de pendant contrôle. Attendez, je vous aide à l'arrêter. Ouais, hop là, trop tard. Allez, c'est parti, opération des rois. Non, c'est pas une. Alors, ok, mais toi, on va te contrôler, toi, la totale. Bah, tu sais quoi? Mais il a ma moto. Mais c'est parti. Alors, oh, viens, la petite pute, viens. Viens, monte. Monte ta mère, dépêche-toi. Monte, dépêche-toi, ta mère, je vais te tirer dessus. Dépêche-toi. Dépêche-toi. C'est bon, les gars. Ami mec, les gars, laisse-moi descendre, s'il vous plaît. Donne ta radio. Donne ta radio, ton arme et tout là, donne tes trucs. Vas-y, attends, vas-y, tiens ma radio. Vas-y, allô, Bader. Je cache leur moto, viens. On l'a kidnappé l'autre. C'est bon, si on a un orange là. Vas-y, envoie-moi la pause. Toi, envoie-moi la pause. Attends, vas-y, non, t'as raison, je t'envoie toi. Toi, trouve et envoie-moi. Vas-y. Les gars. Allez, descends, ça. Attends. Viens juste là, comme ça on nous voit pas. Viens là, va là-bas. Quelle pointe ça, le fils de pute? Quelle pointe, je t'ai dit! En fait, vous êtes des baisers, parce que pendant 2 minutes on va rigoler avec vous, vous nous prenez pour des putes, on n'est pas comme vous les mais gars, nous. Mais je comprends pas, on se laisse pas tranquille. Parce qu'ils sont venus au magasin de vêtements nous tirer dessus! Vous êtes des hommes! Putain, mon nez! Vous êtes des petites chiennes! Avance à la voiture, avance! Ok, ouais, vas-y. Pourquoi ils sont venus au magasin de vêtements pour nous baiser? Donne-moi la radio, je vais leur parler. Vas-y, attends. Je peux juste récupérer pour que je m'appelle la fréquence. Vas-y, rappelle-toi de la fréquence. Merci, attends. Là, je prends juste ma main dans la chaise là. C'est 42-59. 42-59, c'est bon. Attends, parce que moi j'ai pas de radio. Ouais, 42-59 42-59, ouais. Dis-moi qu'il a des munitions, j'ai que 3 balles. Ouais, voir, attends, je vais te dire. Et j'ai déposé tout dans le coffre là-bas. Je suis P2 hein. Vas-y. On fait moite. Ouais, il en a 25. Prenez. Envoie-moi la moite. Tiens, vas-y, prends la moite. Attends, j'ai la radio. C'est quoi 42-59? Ouais, c'est ça. Allo, les petites putes. On dit que ta mère la pute. Oh, les... Ah, tu me parles mal alors que j'ai ton pote en face de moi. Non, dis-lui que je prends sa gueule, la radio là. Oh. Oh, tu veux quoi, vas-y. Votre pote, je vais le buter. Comment il s'appelle? Comment je t'appelle? Pour quelle raison? Attends, c'est qui là? C'est Céliane.
Comment tu t'appelles? Ayoub, Ayoub. Attends, oh, votre pote Ayoub, le vendeur du Burger Shot, là, je vais le buter, c'est bon? Pourquoi? Non, parce que vous êtes des fils de pute et vous voulez pas admettre que vous êtes nos petites putes. Eh, envoie la pause, on vient discuter. Admets que vous êtes nos petites putes et on le libère. Envoie une pause. Ah, tu veux pas admettre? Pourvu que James parle. Faut qu'on les vire, faut qu'on les vire. Eh, c'est quoi? Passe-moi James. Eh, hey, James, admets que t'es ma petite pute et on le libère, sinon on le tue. Non. Allez, James, tu veux sauver ton pote Ayoub, le pauvre, il a rien fait, en train de chialer là. Vas-y, je suis ta pute. T'es la pute de qui? Je suis la pute de Nebrabus, c'est bon. Voilà. Attends, vas-y, relâche-le maintenant. Vas-y, on va le relâcher, mais attends, dis Soso, il le dit aussi, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Quoi? Vise en bas, pas la tête, s'il te plaît. Vous avez dit quoi, les petites chiennes? Allo? Oh, vous m'entendez? Oui, oui, ramène notre gars. Attends, passe-moi Soso. Mais c'est bon, c'est bien là, Soso. Soso, dis-moi que t'es une petite pute et je te le ramène. Écoute, Céline, viens au motel et je te le dis face à face, tu vois, comme ça je te fais. Tu vas nous attraper, après tu vas nous braquer. Oh, écoute, regarde. T'as vu? Bader, lui, il est trop énervé. Lui, il a trop envie de le tuer. Tu vois ou pas? Il est en train de crier là, il est en train de faire des gémissements et tout, Bader. Il a trop la haine. Donc maintenant, vous en reprenez à nous, magasin de vêtements, pas magasin de vêtements, des trucs comme ça bizarres, des trucs de salope. On vous attrape un par un, on vous tue, t'as compris ou pas? Vas-y. Donc ton collègue, on va lui faire la misère, on va le tabasser, on va lui péter les jambes. Il va revenir en rampant dans ton quartier. Et si jamais vous reprenez à nous, on vous baisse vos mères tous un par un. Je retiendrai pas Bader cette fois. Vas-y, c'est bon, Céliane, on arrête, t'inquiète. C'est bon? Derba. T'inquiète, on arrête. Vas-y, c'est bon. Vas-y, ciao les frères, ciao. Non, les gars, ciao les petites putes. Tranquille. Fils de pute. Comment ça, c'est bon? Comment ça? Hein, t'étais pas avec eux, toi, genre? Comment t'appelles ce orange? Ayoub, t'étais pas avec eux, toi? Hein, t'étais pas avec eux, toi? Arrêtez, il m'a déjà planté à la mettre, alors votre pote. T'étais pas avec eux tout à l'heure au magasin de vêtements, dis la vérité. Si, j'étais là. Ah, tu nous as tiré dessus, toi aussi, tu faisais le beau gosse. Frérot, tu nous as niqué. Ah, magasin d'armes, tu nous as niqué, frère. Et alors, à la base, ça allait pas tirer. Mais ton collègue, il a sorti une arme, ton collègue. Pourquoi il sort des armes, hein? Je sais pas. Voilà, donc c'est pas notre faute. On a jamais frappé en premier, tu comprends ou pas, Ayoub? Ah ouais, mais. Vous quoi? Oh merde, pardon. Pardon. Viens, on se barre. Alors quartier, ils se sont tous fait kidnapper par les families. Parce que tu sais, ils ont fait quoi? Ils ont dit aux families que c'était eux qui se changeaient. Sauf que Lama ou je sais pas, quelqu'un le. On te laisse ta main. Monte. Et là, il y a la deuxième mi-temps, mon ref. C'est pas fini. Monte dans la voiture, petit fils de pute. Ouais, on va où là? Ouais. On va où? Alors quartier. Families? On arrive ou Orange? À ce qui paraît, en gros, Trix, il m'a pas appelé, il m'a dit il les a tous. Mais viens, monte dans la voiture. Ah ouais, je kiffais la moto, moi, il me nique mon délire. Papy, j'ai un truc. Vas-y, Ayoub, va. Ah, tu sors un pétard! De pattes, la famille. Ramenez-moi sortez des pétards! De pattes, tu sors un pétard, je sors un pétard, moi aussi! Tu vas faire quoi? Hein? Tu sors un pétard, je sors un pétard! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde va ranger ses armes là avant, ce soit moi qui m'en occupe. Bande de petites putes! Venez tous, vous avez voulu nous faire et en plus vous avez voulu manipuler les families! Bande de fils de pute! Céliane, recule. Restez tous groupés. Restez tranquille là. Venez derrière moi, vas-y. Je suis plus mon frère, moi. Je suis comme papa maintenant, armé H24. Regardez les en l'air aussi. Oh, hey, il s'est passé quoi là? Expliquez-moi, les trois frères. Range ton arme, petit fils de pute de James. Tu crois que je te reconnais pas? Tu crois que je te reconnais pas? T'as la même tenue, ça fait depuis que t'es né, t'as la même tenue, fils de pute. Oh, Céliane, ferme-la et dis-moi ce qui s'est passé. Dis-leur parce que moi je peux pas parler avec Trix, moi. Moi je lui fais la gueule. Merci. Ah ouais, je vais t'expliquer parce que mon frère il veut pas te parler. Donc on se changeait tout simplement dans le magasin de vêtements avec mes deux frères et Lamar. Et ils sont venus nous braquer ils voulaient nous braquer. Donc nous on est resté à l'intérieur à viser la porte. Eux ils étaient dehors. Ensuite ils ont commencé à tirer. Ils ont commencé à tirer sur la façade. Et voilà. Et du coup on s'est défendu, tu vois. Ok, les oranges ils ont fait quoi? Les oranges, vas-y je t'écoute.
En gros, ce qui s'est passé, on voulait aller changer, on est rentré, il y a la blondinette, là, elle nous a sorti un calibre. Oh, c'est grave. On est sorti pour éviter les problèmes et ils nous ont pointé, du coup on a sorti les armes. Pour éviter les problèmes. Ah, t'es un menteur. Mais vous êtes chez 12, comment ça? Ferme ta gueule, toi! Pour comment ça, pour éviter les problèmes? Eh, ils sont venus à 12, ils étaient en équipe, ils savaient ce qu'ils faisaient. Eh, ils savaient ce qu'ils faisaient, ils sont venus à 12, comment ça pour éviter les problèmes, bande de sales menteurs. Allez Orange, ça va être simple. Là tu m'as appelé au téléphone, tu m'as dit ouais je sais pas quoi on me braque. Là, 2 minutes plus tard, j'ai tous mes mans en radio, tout Gradubit qui m'appelle. Même Tyrell alors qu'il nous déteste. Que vous avez drive-by et que vous avez tiré sur des familles. Il était avec eux, Gradubit, il était avec eux. Comment ça, il était avec eux? Avec eux, il a fait des radios. Ah, il changeait juste, mais il était pas avec nous, il était avec nous dans le magasin de vêtements. Apparemment, de toute façon, moi je vais pas chercher midi à 14h la version d'un tel ou d'un tel. Là, que ce soit vous ou eux qui aient commencé à braquer, vous avez drive-by mon micro, vous avez tiré sur des familles. Céline, recule avant que je t'en colle une. Donc là, ça va être simple, vous allez tous nous suivre dans les véhicules, vous allez mettre vos armes au sol là, et vous allez nous suivre. Ah, tu Je les gâche, ces bâtards. Quitte. Ça fait rien. Putain. Arrête de. C'est bon. Ils nous ont fait la misère. Allez, Soso, avance, t'inquiète. Même Tyrell, il nous déteste. Même Tyrell, il est témoin. Demande-lui à Tyrell. Stop, je pense. Vas-y, vous voulez pas aller dans les véhicules. Bader, arrête. Normal, il mérite. Soso, viens. Avance. Arrête. Il me frappe. Aïe. Viens, ramène-moi les trois frères. Patrick, on fait quoi? Venez là. Je suis au fond là, à côté de. Devant les voitures. Ouais. Vas-y, venez-vous. Ah, venez-vous. Ah non, il y a deux qui t'aiment. Eh, même Tyler, il est témoin. Ils nous ont braqué, nous ont changé encore. De toute façon, simple, regarde, je vais pas chercher midi à 14h. Là, c'est ça. Attends, il y a beaucoup de. Il y a des mannes qui m'ont payé pour les attraper, vous avez votre soir, c'est bon. Jure, qui? Dis-moi juste qui t'a payé pour ça. Je peux pas te dire. Vas-y, dis-nous. Et vous dis-nous, fais-le. Pour... Non, mais dis-nous juste c'est qui. Pour savoir en gros c'est qui leur ennemi. Arrête de mentir. Vas-y, nous mens. Putain. Ah. Faites les innocents, venez. Oh Caval, cours. Vivi, lève-la. Prends la voiture. Descends. Vite. Mais monte. J'ai fait exprès de lui demander c'était qui. Je les voyais derrière en train de. Arrête pour de vrai. Ouais, ouais, ils nous suivent fort, il y a des motos et tout, Bader. Bader. A l'aide. Oh, les vagos. Oh, les vagos, mon ref. Pitié. Oh, mon ref, aide-nous. Suis-moi. Vas-y. Il y a les balasses derrière, ils veulent nous baiser. C'est bon, ils ont fait demi-tour. Ils ont fait demi, c'est bon, beau gosse. Ok. Il y a les balasses, ils veulent nous baiser. Non, ils sont là. Appelle des renforts, ils sont devant, c'est la voiture blanche. C'est bon. C'est des balas, devant. Suis-moi. Lui là, viens, suis-moi. À droite, viens à droite. Eh ouais, le chasseur chassé, fils de pute. T'es sûr de vouloir faire ce que tu fais là? Le chasseur chassé, eh ouais, mon pote. T'es sûr de vouloir faire ce que je fais. Ouais, je suis sûr. Allez, de vouloir faire ce que je fais, alors. Descendez, bouge plus. Oui, je suis sûr. T'es sûr de vouloir prendre la rafale d'automatique? Mais regarde, frérot. Je suis moi, je suis logibalas. Rentre dans ta. Mais je t'encule, toi et tes balas, je t'encule, t'as compris ou pas? Sinon, je te fume. Ah, c'est pas nous que vous cherchiez? Casse-toi. Rentre dans ta caisse. Je rentre pas dans ma caisse, on a des renforts. Rentre dans ta caisse. Regarde, vous êtes encerclé. Eh ouais. Range, allez, viens ici. Allez, à 3, je te tire dessus. 1, 1. Dos! Là, y'a les renforts! Lève tes mains. Ça va t'enclencher ton gros daron. Je vais enclencher ta daronne, toi aussi! On va enclencher ton gros daron. Je vais enclencher ta grosse daronne, moi! Vas-y,
Lève-toi, mon pote. Y'a quoi maintenant? Y'a quoi? Ok, moi je pense chacun va reprendre sa voiture et va repartir. Un bouffon aussi, t'es gars. Allez, allez, on remonte. Remontez dans vos véhicules, les gars. C'est ça, ouais, les putas. Allez, ciao, les putas. C'est là comme des merdes, là. Voilà, les putas. Balas putas. Viens ici, toi. Quoi? Vous restez avec nous, maintenant, vous restez avec nous. Ouais, la fa, merci. Voilà, Abel, merci la fafa. Abela Danger. Le danger, le danger. Hey, c'est passé quoi, Céliane? J'en sais rien. Je me suis endormi dans le coffre. Pour de vrai? Ouais, pour de vrai. Mais nique ta mère aussi, tu t'endors dans des moments cruciaux comme ça. Ouais, mais je pouvais pas, c'était urgent. Il est là. Allez. T'as dit quand mon ref Abel? Merci Abel. Vas-y, venez tous les trois. Venez Abel, mon ref, heureusement t'es là. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos pieds, elle coupe la radio. Ben, on roulait et ils nous ont commencé à nous suivre. Après, on a vu un. Ouais, on a vu un. Parlez pas en même temps. En gros, on roulait, ils nous ont suivis. Après, on a vu un Hermano à toi. On lui a dit à l'aide, à l'aide, à l'aide. Et il vous a appelé, je crois. En gros, c'est ça. Non, ok, allez, perfecto. Vraiment, il n'y a rien de plus. Ici, c'est chez nous. Ouais. Ok, ouais, ouais. Les balas, qu'ils veulent, c'est la fête foraine. Ouais. Donc là, je vous ai sauvé le cul. Non, mais là, ils veulent nous baiser parce que hier, on t'a ramené. Là, ils ont rien fait. Si, je sais. Là, ils ont rien fait. T'aimes bien mon jean? Ils sont chez nous. Moi, tu fais. Moi, bon. Bref, là, ce qu'on va faire, ok? C'est que là, ils veulent votre peau par rapport à ce qui s'est passé hier, ok? Donc c'est soit vous restez avec nous, parce que là nous on a des problèmes ailleurs, ok? Ouais. On a des problèmes, donc là on peut pas s'occuper de vous. Non mais c'est bon, on est grand, t'inquiète, Abel. T'es grand, t'as failli te faire niquer là, si j'étais pas là tu te faisais niquer. Ouais mais si t'étais pas là on serait pas arrêté, on s'est arrêté parce que y avait la gosse, ouais. Sinon on serait pas arrêté sinon. Ok. Fais ce que tu veux, mais si on peut pas venir vous sauver le cul, faudra pas se prendre. Donc okay. Faites ce que vous voulez, mais sinon on reste avec toi, on fait quoi? Si tu restes avec moi, tu fais rien du tout, c'est pour ta sécurité. Ah non, la flemme. Là, moi, nous, on a des trucs un petit peu plus importants à régler. Ok, bien vu. C'est pour ça. Allez-y, faites votre vie, mais vous faites pas choper, j'ai pas envie de vous sauver le cul une deuxième fois. Vas-y, t'es un bon. Va niquer ta mère, vrai frère. Emmène-le à l'hôpital, fils de pute. Ils sont rapides, vas-y, venez. Parlez bien, Lamar. Vas-y, les autres, allez faire vos vies là, j'ai juste besoin de Moussa. Essaye de vendre la. KG, essaye de me vendre la Mercedes là, s'il te plaît. J'en ai marre de l'avoir ici. Elle est où? Bah, suis-moi, Trix. Bah, elle est dans mon garage. Héros démocratie, c'est. Non, mais Jules, va faire la pub de la voiture, on s'en bat les couilles. Bah, sors pas, tu vas te la faire voler ou je sais pas. Ouais, du coup, c'est comment là? Ah, putain. Beaucoup de choses à vous dire. Déjà, tiens. On va donner ça à Boudin. Mange Boudin. Ça c'est votre part là pour les oranges. C'est bien. Prends-moi pour ton petit, je te canne ici là, c'est bon Boudin. Et moi j'ai rien dit, je dis c'est bien. Ok. Bon. D'après vous, je suis un hypocrite, un menteur. C'est ça. Ça recommence. Non, mais ça va pas recommencer. À l'époque, ouais. Je vous pose juste une question, répondez-moi pour ou pour non. Non. Non, virgule, plus maintenant. Point. Parce que avant, regarde, tu nous avais promis des trucs que tu l'avais pas fait. Bon, c'est pas grave, maintenant on a fait table rase, notre fois à la piscine. Ouais, t'as pas l'impression depuis le début de me prendre pour un con, surtout. De me mentir en me regardant dans les yeux. On s'est tous les quatre fait. Réponds à ma question, n'essaye pas de contourner le sujet. Est-ce que. Tu me prends pour un con depuis le début? Pas depuis le début. Depuis quand alors? Bah vite fait à un moment donné, mais là plus maintenant, tu vois, ça y est, on passe ensemble. Ok, je vais aller plus dans le vif du sujet. Vous êtes qui? Alors moi c'est Idriss, lui c'est Bader, et lui là-bas c'est Céliade, mon frère. Votre nom de famille? Il a Poucave. Comment dire? Bessie, ouais. Vous on est la famille Bessie. Les oranges, ils m'ont dit. Ils t'ont dit quoi? Parce qu'ils disent beaucoup de merde aussi. Ils m'ont dit que vous faites appeler les Brabus. Hein? C'est qui ça? C'est qui ça, les gars? La dernière fois que j'ai entendu ce nom, il est sorti de la bouche de mon ancien OG.
ça m'étonnerait qu'il vous connaissait, vous deviez avoir 12 ans. À peine. Même pas. Vous êtes qui? Depuis le début, vous me prenez pour un con. Et là, il s'avère que j'apprends que vous avez un nom que j'ai déjà entendu. Donc vous êtes qui? Dites-moi concrètement, parce que là, depuis le début, on rigole, machin, il se passe des choses, il y a des trucs. Maintenant, soit ça va aller vers du business, soit ça va partir en couille, je vous le dis. Parce que là, vous me dites des trucs, blablabla, moi je sais même pas qui vous êtes. Donc là, depuis le début, ouais, t'as pas de parole, blablabla. Moi, je vous ai toujours dit qui j'étais, d'où je venais. Boussa, il a balance. Là, soit vous êtes honnête avec moi, soit ça part sur de mauvaises bases, vous l'imaginez bien. Mais on est des... On a rien caché, on est trois petits gars. On est des humains, voilà. Regarde, moi je vais t'expliquer notre vie. On vient de la ferme, avant on était un peu des campagnards, maintenant c'est on est qui votre dans... père un fermier. Où ça il a balance. C'est qui? Il s'appelle Salim Messi. Ok, il fait quoi? Il est à la ferme. Ouais, agriculteur et il fait un peu pousser de la bœuf, vite fait pour sa conso perso. Quoi? Parce que j'ai déjà entendu ce nom. De quoi? Ton père, si ton père remuait du foin à élever des vaches, je pense pas que mon OG aurait sorti son nom. Enfin, ton nom de famille. Mais je sais pas c'est quoi ce Vrabus. Nous c'est la famille Messi et puis voilà. Nous c'est la famille Brabus. Quoi? Ouais, du coup. Quoi? Il a grillé ma couverture. Eh oui, et notre daron c'est Selim. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? Comment ça c'est qui? Tu sais très bien c'est qui? Comment ça c'est qui? Je sais pas c'est qui. Eh ben si tu sais pas c'est qui, pourquoi tu nous poses des questions? C'est un random, on s'en bat les couilles. Je veux savoir. Ah, c'est un mec normal, il est un fermier. Pourquoi mon OG m'a déjà parlé de cette personne là? Je sais pas moi. Peut-être qu'il a acheté des vaches. Me prends pas pour un con, Céline. Me prends pas pour un con, je sais que Moussa il t'a tout dit. C'était le gérant, il baisait tout le monde. Voilà j'ai pourquoi. Mais nous. Moussa, il m'a tout dit. Moussa, mais va droit au but, Trix. Va droit au but. Il a parlé, Moussa. Ça se voit, il a parlé. Pose la question. Moussa ne m'a rien dit. Qu'est-ce que tu racontes? Si, il a balancé. Mais pourquoi tu viens, tu me dis ça? Tu dis ça à tout le monde? De quoi? On est qui? Nous, on t'a déjà dit. On est des mecs, on vient d'arriver, on fait de l'argent et voilà. Alors pourquoi vous allez voir les oranges et vous dites que vous êtes la famille Brabus et que vous les quittez pour vous? Pourquoi ce nom je l'ai déjà entendu dans la bouche de mon OG? Mais ça c'est parce qu'on s'est embrouillé avec eux, moi au téléphone je leur... Pourquoi en faisant deux recherches sur Google, j'ai vu le nom que tu viens de me sortir, Céliane, dans des pages de journaux concernant des bails sombres? Explique-moi. Parce que c'est la vérité. Voilà, il a fait ce qu'il a fait, papa. On s'en bat les couilles. Là c'est à nous que tu parles pas à lui. Je sais bien. C'est juste que Trix il te montre qui il est et il voulait savoir. Ouais mais voilà, nous ça c'est les affaires de famille, tu connais, on va pas étaler notre... On marche pas sur les plates-bandes du daron, nous. On arrive, c'est nous. On fait du bif et voilà. Voilà, on fait notre terrain petit à petit. Pourquoi vous l'avez pas mis sur ma gueule au moment où je vous ai banni du quartier? Parce que sinon quoi, t'allais être gentil avec nous sinon, si on te l'avait dit? Nous on veut pas que tu sois gentil avec nous parce qu'on est les fils de je sais pas qui. Voilà, ça veut dire nous, t'es pas un bon gars avec nous, eh ben tant pis, on va pas dire ouais mais on est les fils de machin et tout, je sais pas quoi. Non, nous soit tu nous aimes, soit tu nous aimes pas. C'est pour ça que vous vous comportez comme ça. On se comporte comment? Parce que vous êtes le fils de cette personne là. Et du coup vous voulez vous imposer sur le business. C'est pour ça que vous êtes aussi incisif. Hein? Ça veut dire quoi incisif? Vous allez autant droit au but et que vous êtes autant je sais pas comment dire violent avec les autres. Et non, même pas parce que nous on se comporte normalement. Bah ouais. Nous, on s'en bat les couilles, même si notre père c'est Donald Trump, on s'en bat les couilles. Nous on est comme on est, frère. On arrive, on fait notre bif et tout. Tout ce qui s'est passé avec le daron, ça c'est pas nos affaires. Et donc pourquoi vous me l'avez pas mis sur la gueule? Pour me buter lorsque je vous ai trahi. Parce qu'il a pas le temps pour les petits, tu vois, les petites salopes, il a pas le temps pour les... Papa quand même, mélange pas dans... Il a pas le temps, c'est... Ouais, papa temps lui, il a des embrouilles. Ce que j'ai entendu, il a eu le temps pour la dernière génération des ballasses. Ce que j'ai entendu, il a eu le temps pour la dernière génération des ballasses. Ouais, mais ça c'était à l'époque. À l'époque, on mangeait notre caca, nous. Papa, il a des embrouilles, tu vois, avec des grosses moulas, comme on dit. Des trucs de grosse envergure. T'as vu, on va pas l'appeler pour le déranger pour ça. On s'en bat les couilles, non? En plus, y a rien. Donc c'est pour ça que là, actuellement, Céline, t'es en train de me faire la gueule
Alors depuis le début, vous me mentez. On t'a pas menti, tu nous as jamais posé la question. On t'a pas menti, ouais. Et même normal, si tu le sais, y'a rien, c'est pas un passe-droit, ça se trouve on ment, ça se trouve on le connaît même pas, qu'on a juste son nom, qu'on est ses neveux lointains, j'en sais rien, tu vois. J'ai compris, donc, c'est nous, on a pas... gens, ils vous sucent la bite, j'ai bien compris. Y'a rien. Nous on veut voir le vrai visage des gens, c'est tout. Voilà. T'as bien raison. Et là on a vu ton vrai visage là. En vrai on l'a vu depuis le début hein, papa ou pas. En tous les cas il changera pas, je vous le dis. Quitte à canner hein, c'est comme ça les gars. C'est bien, t'es un bon. Ok. Écoutez, ça roule. Bah, je vous ai donné ce que vous vouliez. Si vous avez du business et que vous voulez m'en faire part, et ben, la porte est ouverte. Bonne soirée, les man. Fils de pute, Moussa, t'es une balance. C'est pas du tout moi. T'es une balance. Arrête, t'es le seul qui est au courant. Moussa ne m'a rien dit. Ça m'arrange, j'ai limite qu'il le sache pas. Tu veux que je te dise une chose, hein. S'il y a une personne à niquer pour ça, c'est les Oranges. Et quel rapport entre les oranges et le daron? Les oranges ils connaissent notre nom, ils connaissent pas notre daron, alors que Moussa il connaît le daron. Les oranges, je leur ai dit juste au téléphone pour rigoler. Ils m'ont dit comment on arrête cette guerre, comment tu veux qu'on en finisse. Je leur ai dit. T'as vu, je vais être clair avec toi. Si, mais je sais ce que je leur ai dit. Je leur ai dit soit vous retirez votre orange et vous taffez pour nous les Brabus, soit on continue la guerre. J'ai juste dit ça. C'est ça, bah moi, écoute, et eux ils savaient rien les oranges hein. En fait moi Moussa, je vous ai vu tirer sur eux à l'amunation. Je leur ai demandé après j'aurais dit ouais il s'est passé quoi. Il m'a dit c'est les frères Brabus. J'ai dit c'est quoi ça. Il m'a dit bah c'est Liane, Bouder et Yanis. Du coup, Bader, maintenant tu connais mon père, tu vas m'appeler Bader. Bader, et tu vas Bader, je vais tout niquer hein. Je retire ton père ici ou c'est Calme-toi. Vraiment, bats les couilles moi. Derba mon frère. Je t'ai bien dit, hey. T'as de la chance. Bouder, je t'ai dit qu'il y a rien qui va changer, je m'en bats les couilles. Peu importe. Vous avez tué James? C'est pas nous. Qui? Des gars qui nous ont payé pour les attraper. Quel gars? Tout en noir, cagoulé, grosse arme. Oh, arrête de... Ah, il ment, c'est bon. Ah, c'est clair, c'est pas à nous. Avec un accent russe, bien évidemment. J'en sais rien. Ouais, c'est bon, c'est le menteur. T'as vu, tu nous mens. T'as vu, t'es un menteur. Rentrez dans le business et vous le saurez un jour. T'es un menteur, c'est notre petite pute préférée, t'as pas le droit de t'en prendre à James. Ah ouais? Bah ouais. Ah par contre vraiment, alors la tête derrière il a fait piquer collégramme, un truc comme ça. En fait, celui qui s'en prend à James, ça devient automatiquement notre nouvelle petite pute. Je pense qu'il est mort. C'est qui? Mais donne-nous au moins une piste. Je peux pas. Sinon, je suis moi-même. Une piste, ça y est, fais pas ta pute. Mais rentrez de qui? T'as peur de personne, t'es le chef. Les gars, prouvez-moi que vous êtes carré dans le business. C'est peut-être qu'un jour. Nick Taras, tu as bien vu qu'on était carré dans le business. Arrête de faire le mec brosson. Ça y est, on t'a prouvé maintes et maintes fois. Vous avez vos bails à caillou, donc en soi, je vois pas ce qui vous intéresse à Los Santos. Prouvez-moi que vous êtes carré dans le business, est-ce que j'ai entre les mains, vous l'aurez plus rapidement. Je le veux pas, ton usier. Je veux savoir qui a tué James. Je viens de te le dire. Non. Si, je réfléchis bien. Non, j'ai même pas écouté, redis. J'ai pas écouté non plus, putain, je suis dégueu. Redis. J'écoutais pas. On a pas écouté. Regardez la rediff. Je vous dis, c'est eux qui m'ont dit que vous étiez je sais pas qui. Moi j'ai fait mes recherches et c'est tout. J'ai rien demandé à Moussa, je m'en bats les couilles. Et qu'est-ce que tu me racontes? Attends, parce que Moussa t'étais au courant? Ouais. Oh non. Attends, depuis le jour 1. Depuis le jour 1. Tout à l'heure on dit ouais Moussa t'as fouca mais. Je viens de quoi? Putain, l'acting 1 sur 50 mais carrément. Non mais t'es un acteur. Mais attends, mais justement je viens de comprendre là. Mais oui, il vient de capter. Non, mais ça a mis longtemps à monter au cerveau là. Ah, mais je viens de comprendre. Bref. Marion Cotillard. Bah non. Ah ouais, pas mal. Julia, bref. Vas-y. Julia. Bonne soirée, les man. Julia Cotillard. Oh, Julia Bayonetta. Oh, level up. C'est vraiment délicieux. Vas-y. Ah, oh, je viens de comprendre. Ouais. J'ai rien compris. Moi, ouais. J'ai juste compris. Papa, il avait plein de petits. Je suis sûr. Ouais. Papa, s'il avait été là, il aurait baisé sa mère, Trix pas Trix. Baiser sa mère, mais le père à Trix, c'est qui? Eh hey, toi Trix, ton père, c'est qui? C'est un random, son daron, c'est un random. C'est une légende. Ouais, légende des randoms. C'est Marcus, tu connais ou pas? Marcus le fils de pute. Ouais, Marcus le clochard. On lui baisse sa mère à lui. Ah la vite. Ça va Lamar? Ouais, dis-nous. Baisse ta mère Lamar. Non, je rigole, y'a quoi? Tu veux un gâteau, tiens? Non. Merci à la main, mon rat. Pourquoi vous cachez que votre nom, c'est pas ça?
Eh, donc là on peut faire ce qu'on veut. Ok, regarde. J'ai envie de faire une croix sur ta IRL, le viens, on fait pas, viens, on fait pas, viens, on fait pas. Je fais ou pas? Non, on fait pas, on fait pas. Vas-y. Attends, je vais faire une croix sur Kurt. Comme ça au moins t'en fais genre, c'est vraiment pas nous. En fait, ils sont juste là-bas. Ils sont juste là-bas en bas. Attends, mais vous avez tagué leur mur? Oh non. Attention, il y a un Jordan qui arrive. Jordan, la petite poucave. Ah, et un autre. Comment tag, wesh? Ta gueule, sa petite poucave. Mais comment ça, poucave? Alors, non. Alors là, non, non, et absolument non. Quand ouais, non, non, non. En fait, on repasse les contours, comme ça, c'est mieux. Eh, vas-y, ils m'ont boycotté, ces fils de pute. Vas-y, dessine, mets Moussa. Tag Moussa. Vas-y, je vais taguer ta daronne la pute. C'est bon, Jordan? Comment ça, ma daronne la pute? Ah, tiens la marre, tiens mon frère. On a mis une croix parce que Kurt il est mort. Kurt il était là. Tiens, c'est que pour toi, c'est que pour toi la marre. Ah ça y est, il est mort. Wow, Messi. Il s'est fait tirer une balle. De quoi? Oh, tu mets bien là, Messi. De rien, mon frère, de rien. Ça fait trop plaisir, Messi. C'est bon, arrête de faire le suceur de bite. Il est où, Bader? What the fuck? Il est parti taguer, Bader. Je te jure, il va taguer. Vite fait, un petit souvenir. C'est pas une insulte, c'est rien. Je mets juste mon. T'inquiète. Je t'encule à l'instant où je vois ce que tu veux faire. Hein. Non, t'inquiète, y'a rien. Je suis un mec du quartier, non? Hop là. C'est du lourd. Je vais taguer Nick Tamel, la police. Vas-y, va taguer là-bas. Envoie des sprays. C'est bon. C'est mon dernier, j'ai grave. J'en ai plus. Eh, ils sont là, dans ce truc là. À droite. Là, oula. Oh. Là, tu vois ce truc en face, ce bâtiment ouais. Là, en face de toi. Ah là, tu prends les escaliers à gauche et tu montes. Mais quoi, c'est une défense de territoire? Une défense de position? Mais je pense qu'ils essayent tous de contrôler plus ou moins Vespucci. C'est ça. J'ai alors que c'est à nous. T'as vu là ils font la guerre mais ils savent pas qu'à la fin la finale c'est contre nous. Ben là on fait diviser pour mieux régner en gros tu vois c'est facile. C'est ça. Oh oula. Non ça semble. Eh les gars sur le toit du taco libre ils sont dedans. Ouais t'inquiète ils sont là. Ok. Ça va mon pote? C'est lequel lui? Oh il a des balles. Moi je prends un peu de balles moi. Attends. Eh, hey, écoutez-moi, ils sont dans le truc là-bas. On est vraiment des clochards. Prends pas trop de trucs, prends pas des trucs de fou. Hein. Non, je prends 10 balles. Il avait qu'à pas mourir aussi, c'est pas notre faute. Hein. Je suis dans ma bulle, je te fais fumer le cœur, et que je s'appelle Peter. Ouais, ils sont pas très forts. Après c'est toi qui parles, t'es culotté. T'as dit quoi? Après t'es culotté. Mais moi je sais juste pas tirer moi. Fais gaffe qu'on prenne pas des balles perdues quand même. Je crois qu'ils savent, hein, ils vont pas nous tirer dessus. Ouais mais on sait jamais tu vois. Dans l'euphorie. Non, ça me sera pas. L'album à calage criminel. Eh c'est qui tire? Eh il faut vraiment FBI, que... Eh regarde, va tout droit et à droite. Putain il me stresse. Eh. Y'a un coup de couteau là. J'ai entendu un coup de chasse. Ça m'a tiré dessus là. Ah ouais? Ah oui, fais gaffe. De là-bas, de derrière. C'est bon, les flics sont montés en haut là. Dans leur truc. Je suis dans ma bulle. Garde tes mains en... C'est... Non, on a rien fait, on a rien à voir nous. On a... Ouais. On a rien à voir. Juste des citoyens et on habite pas loin. On habite pas loin. Ok, venez, mettez-vous derrière le mur dans cette cale, restez pas là. Mais je crois qu'ils sont dans ce bâtiment là, monsieur l'agent. Hein.
Ouais, ils sont dans ce bâtiment là. Ils sont exactement dans ce bâtiment. Il y a nos amis qui sont actuellement déjà dedans, il y a certains qui sont seuls. Ok, je m'écarte. Les seuls, restez pas ici. Restez pas ici, ouais. C'est la guerre, wesh. Ouais. Le scorpion, c'est l'autre là, leur chef. Oh là 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 là, mais wesh. C'est la guerre de fou. Le non, t'as vu le son des balles là, là c'est incroyable. Pas comme l'autre ancien que j'avais là. Il est des son pote lui. T'as le pauvre. Hop. Tu le fouilles encore. J'ai pris 20 balles, 20 balles juste. Putain. Barrez-vous, y'a la guardia, barrez-vous, barrez-vous. Ouais, ouais, mais nous on a rien fait, nous. On l'aide ou pas? Ils arrivent en courant, viens, on l'aide ou pas? Vas-y, aide-le. Aide-le, je vais distraire. Ils ont perdu, wesh. Je sais pas, il est parti où par contre. Vader ! Vader ! Là, il y a un blessé. C'est quoi ? Ben, il y a eu des coups de feu. Eh ben, ramenez-le avec moi, il y a des SMS là-bas. Là-bas ? Ok. Ouais, vers le même niveau. Désolé mon rêve, j'essaye. Mais crois pas que je vais me mouiller pour toi. C'est passé quoi, monsieur l'agent? Je sais pas. Eh, on habite un peu plus bas, y'a ma mère, elle s'est réveillée et tout, elle a eu peur. Non, mais c'est dangereux, hein? Là, c'est dangereux. Vous êtes vraiment les héros de notre pays, monsieur l'agent. Merci. Non, j'ai rien fait. J'ai un blessé. Encore vous? Bah, j'ai récupéré un blessé. Ok. Merci à vous. De rien. C'est passé, yo. Il y a une fusillade. C'est bon, il est là, on fait quoi? Ben, j'ai son pote, j'ai pas réussi à le sauver par contre, hein. Comment ça? Ben, quand j'étais sur la route, il y a un flic, il est venu. Là, il a un scorpion, on fait quoi? On le ramène à l'hôpital? Oh, non, on le ramène à l'hôpital. Oh, et son pote, j'ai essayé, et il y a les flics qui m'ont attrapé, mais j'ai réussi à lui sauver son tech 9. Enfin, on verra. Ah, si tu l'as pris dans son... Ouais, je lui ai pris et on verra. Attends, et on verra. Attends, bouge pas. Si c'est des bons, on verra. Et si c'est des fils de pute, eh ben on verra. Et ouais, tu sais, il y a une fable qui me racontait mon daron à l'époque quand on était petit. Tu te rappelles, il nous racontait l'histoire du lion et du rat. Ouais. Tu vois, et en gros, c'est que le lion, à chaque fois le rat il proposait de l'aide au lion. Et il disait, ouais. T'as besoin d'aide, monsieur le lion et tout. Et le lion il disait n'importe quoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un petit rat comme toi, petit fils de pute, allez dégage. Et une deuxième fois, une troisième fois, et à chaque fois le lion il disait non, t'es un rat de merde, je m'en bats les couilles. Tu vois. Et au bout d'un moment, le lion il s'est fait attraper par des braconniers. Il était dans un filet, tu vois, dans un filet de braconniers. Et le rat il est venu, il a dit alors, avec mes petites dents, je pourrais ronger le filet. Mais vu que t'as fait le job avec moi, eh ben tu vas bien te faire baiser ta mère, fils de pute. Donc, juste pour ça.
Fils de pute d'ange. Arrête, non, arrête, 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 on verra. On verra, on verra, on verra, on verra. Allez, viens. Allez, réveille-toi. Allez, courage. Je crois quand même, il y a des qui se réveillent. On le nique un peu, non, pendant 2-3 minutes. Ah. Wesh. Il crie déjà, il fait déjà mal au crâne. Ah. Oh là. Alors, petite pute. Ezekiel. Je suis mort. Non. En enfer. Non, 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 t'es là. Oh putain. Et ouais. L'enfer sur terre, la famille. Tu connais la fable du rat et du lion? Ouais, ouais, je la connais, la fable du lion. Vas-y, raconte. Du lion, ouais. Bah, en gros, le lion. Ah, attends, mais donne-moi un truc là pour me soigner. Il parle toujours avec une grosse voix, le lion, vas-y, vas-y. Ouais, ouais, il parle toujours avec une grosse voix. Le rat, il demande de l'aide au lion. Le lion, il pisse au cul. Et un jour, il se fait niquer. Il se fait manger, le lion. Il a deux doigts de se faire manger. Le rat, il peut le sauver. Non, c'est pas ça l'histoire, c'est pas ça, c'est pas ça. En globalité, ouais, c'est ça. Non, c'est le rat, il va voir le lion. Il dit, ouais, le lion, ouais. Est-ce que je peux t'aider? Je veux travailler pour toi, je veux te rendre des services. Et le lion, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un rat comme toi? Dégage. Une fois, le rat, il revient. Le lion, s'il te plaît, laisse-moi travailler pour toi, je te jure, je pourrais t'être utile. Et le lion, il lui dit quoi? Non, dégage. Il prend une grosse voix, il dit non, dégage. Tu vois? Deux fois, trois fois, quatre fois. Pute aussi. Ouais, ouais, ouais. Et au bout d'un moment, il y a des braconniers, ils arrivent, ils tendent un piège au lion. Et le lion, il est enfermé dans un filet. Et là, le rat, il est face à un dilemme. Il se dit, ok, là, il a besoin de moi. Moi, je pourrais ronger les mailles du filet pour le libérer, le lion. Je pourrais le faire. Mais est-ce qu'après tout ce que le lion, il m'a fait, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Tu vois? Bon, et laisse-moi deviner, toi t'es le rat et moi je suis lion. Enfin, du coup, le semi-lion là. Il est malin. Ouais, t'es malin, tu fais le rapprochement vite, hein. Je sais, ouais, l'analyse, il est chaud, là. Il est chaud, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Bon, les mecs, entre nous, vous allez pas me baiser ma race là quand même. Je suis en mauvaise posture. Ah, aïe, excuse-moi, mon frère. Quand même, petit fils de pute, on va te piétiner parce que tu fais l'insolent. Tu nous menaces pour de l'argent, on va te niquer. C'est normal, non? Tu dis de garder l'argent. Putain, ouais, garde l'argent. Eh, hey, tu vas garder cette grosse voix pour ta mère la pute. T'as compris ou pas? Baisse d'un ton, baisse d'une octave là, baisse d'une octave. Et là maintenant, regarde ce qu'on a, dans nos petites sacoches. Hein? Là tu vas payer si tu veux récupérer ça. Parce que là on t'a sauvé. Sinon t'allais ça allait finir dans les mains du LSPJ. T'entends, petit fils de pute? Oh, président. Ouais, c'est vrai que ça se discute, les mecs, mais ça peut se discuter, les gars. Donc on fait comment? Tu fais quoi? Déjà, tu vas nous sucer, ensuite tu vas nous payer, ensuite tu vas nous donner du travail. Trois trucs, et on te rend ces deux armes là, automatiques. Eh, c'est tentant de les garder quand même. Ou alors, on peut tester les armes automatiques en lui tirant dans le crâne pour l'achever, ce fils de pute. De fou? On pourrait tester ça sinon. Écoutez les gars, on est peut-être parti d'un mauvais poil entre vous et moi. C'est vrai que c'était pas cool entre vous et nous. Ça peut s'arranger quand même, on est pas obligé de se prendre des balles dans la tête. Pourquoi tu nous as pas aidé tout à l'heure? Comment ça? Bah pour réparer notre voiture. Pour réparer la voiture, t'as dit que t'avais pas de kit de réparation sur toi? Alors que t'en avais? Je peux pas les utiliser, les kits de réparation. Ah, tu peux pas les utiliser? Pas, je n'arrive pas à utiliser. Fils de pute. Ouais, mais là, fils t'as dit de pute de menteur. En fait, c'est non. Ça le truc. Non, non, j'ai dit, je sais pas réparer. Les gars, on va pas se faire la guerre pour un moteur quand même, s'il vous plaît. La vie elle est belle. Mais c'est là, toute la contine du fable, tu vois. C'est que le rat, de la guerre, là. Quand il avait besoin d'aide, le lion il a pas aidé. Donc pourquoi le rat il va aider le lion? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que le lion a plein de trucs à proposer au rat. Ah, mais qu'est-ce qu'il en sait le rat qu'une fois que le lion il aura, une fois que le rat il aura libéré le lion, qu'est-ce qu'il en sait le rat que le lion il va pas lui faire un coup de croc? Parce que le lion sera en mauvaise posture et que là pendant quelques temps il va devoir s'assagir. Ouais, mais une fois que le lion sera rétabli de ses blessures, hein? Eh ben Laura aura déjà. Écoute, l'élève dépasse toujours le maître. Alors, je te donne des cours, je te fais monter et le petit rat il va devenir un grand rat. Ça va devenir le roi Zipper. À la fin, ça va être comme ça. Non, mais ça va les gars, putain, on est pas obligé d'en arriver à là quand même. Sauf que nous on n'est pas des rats, c'est nous les lions, t'as compris? Ok, t'as un lion. Non, t'as un lion, je suis un rat, y'a pas de problème. Moi je suis un loup, je suis pas un lion. Moi j'ai une idée les gars, vraiment. Regardez avant, il avait fait quoi? Il avait fait quoi avant? Il nous a livré au Vagos. Ouais. Et ben là on va faire la même en vrai. La vie de ma mère, t'es... Ouais, il a raison, là je soutiens. Parce que c'est vrai, c'est quoi qu'il a fait? Vous avez fait une discussion. Non, nique ta mère, tu nous as livré au Orange, à Fernando. Ah c'est vrai ça. Au Vagos. Ça va appeler tout le monde. Je sais plus qui
t'es un fils de pute. Non, 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 j'appelle, l'appel à Belle. Ah bon, on peut trouver un terrain d'entente. Ah, hey, t'es un The Bader, bien joué ça. Très bonne idée, Bader. Ouais, pareil, ouais, c'est bien. Putain, ça aurait pu tellement mieux se passer entre toi et moi. Mais ouais, t'as préféré prendre une grosse voix et insulter nos darons, c'est dommage hein. Non, j'ai jamais insulté ta daronne. T'es un menteur là. Là, tu t'inverses tout là. Tu as commencé. Moi, je suis juste reculé. Ah, c'est moi, j'ai commencé. Bah, t'as quand même commencé, mais après, c'est bon, j'en tiens pas compte. Je t'ai donné du taf quand même hier. Braque la voiture, braque la voiture, braque lui là. Non, braque je pensais qu'il l'avait fait parce qu'il était devant Idriss. Il a... Non, moi, je pense vraiment qu'on peut trouver un terrain d'entente. Quel terrain d'entente? Dis-moi, t'as quoi de mieux que 200 000 $ et des cascades de munitions? Oh, j'ai tellement de trucs, mec. T'as quoi? Je peux vous missionner sur un business. Quel business? Tiens, monte dans la voiture. On s'en bat les couilles, on le livre quand même. Attends, attends, on écoute ce qu'il a à nous dire quand même. Ouais, mais il aura jamais un truc de fou parce que je pense que. Si, j'ai un truc de fou, pardon. Arrête de mentir parce que moi. Prends-lui ses affaires. Attends, déjà, prends-lui son téléphone à ce fils de pute là. Vas-y, mets tout dans le petit sac. Déjà, si on tombe sur des Mayans. Ton arme, tu mets ton téléphone et ta radio. C'est le petit sac. Vas-y, conduis. Affaire à effet personnel. Bon, t'as quoi de mieux à nous proposer que 200 000 et des balles? Non, mais c'est Lan, je t'explique ma théorie, tu vois, sur lui. Parce que toi, tu penses qu'il nous donne pas parce qu'il a pas envie. C'est juste qu'il a pas. Et il veut se donner un style en nous disant non, je vous donne pas. Mais c'est juste qu'il a rien. C'est tout. Ah merde. C'est vrai ça? Il se fait baiser par les bagos. Quelle cocaïne? La cocaïne? Ouais. On vous met sur un business de cocaïne? Non, on veut la fabriquer nous-mêmes, la cocaïne. Ah, tu veux la fabriquer toi-même? Ouais. C'est quoi le business déjà? Explique. Tu lâches tout ta cocaïne, toi. Tes armes, tu les lâches tout. Moi je la fabrique la cocaïne. Je la fabrique où? Bah ça peut se négocier. Regarde la route, regarde la route, on arrive bientôt hein. On arrive bientôt, comment ça? Non, je peux te donner. Eh, tu sais quoi? Ouais, je peux te la donner. Garde-toi sur le parking, je vais te la donner. Tu vas me donner quoi? La fabrication de cocaïne. Voilà, petite chienne. Bien joué. Ouais, je préfère ça plutôt que crever là. Ok, et tes armes, tu les as où? On va les vérifier tout de suite hein, ensemble hein. Les armes? Ça date un petit moment ça. Bon, je le ramène chez les bagos. Non mais ça va, attends, ça attends, va. Attends, mets la fabrique, mets la fabrique, mets là où il y a la coque, mets là où il y a la coque. Attends, écoute. Mets la fabrique, on va y aller, on va vérifier. Pendant qu'on vérifie, on continue à négocier le reste là. Vas-y, mets la pause. Bien. Bon toutou. Je vous la mets, tenez les gars. Non mais après on peut discuter, je pense. Ta gueule, si jamais on arrive là-bas et que c'est pas là où tu fais la coque, je te tue. C'est de mes mains, je te tue. Juste. Ouais, la réfète, ça va, tu vas bien? T'es blessé à dos? Si, dos. T'es où là? À l'hôpital. Ah merde, parce que nous en gros, on a le chef des Mayans là dans les mains là. Eh ouais. Attends, quoi? Eh ouais, on l'a capturé. Pourquoi vous avez fait ça? Bah pour vous les vagos, parce qu'on vous aime bien. Incroyable. T'es contente? Je suis tellement heureuse. Est-ce que t'es tellement heureuse que quand tu vas nous voir, tu vas twerker comme tout à l'heure? Continue tout droit. D'accord, encore tout droit. Ferme, top. Ok, ok, par contre, tu sais, dans la vie, rien n'est gratuit, rien n'est gratuit, Réfette. Ça veut dire, nous, on aimerait bien avoir une compensation pour ça. T'as quoi à nous proposer, Ado? Bon bah, bienvenue là. Ça dépend de ce que tu veux, tu le sais. Lui, il nous propose de nous carrément nous laisser indépendants sur le truc de cocaïne et tout. Genre il nous laisse tout son business et tout à lui pour qu'on le laisse en vie. Son business, c'est pourquoi il se prend des balles depuis deux semaines, il va te laisser comme ça. Céline, c'est un beau parleur, crois-moi. Ezekiel. Ouais, t'as raison. Elle a raison, la réfète, elle a raison. Elle m'a dit quoi? Regarde, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il va laisser? Ça fait deux semaines, ils se font tirer des balles dessus tous les soirs. Elle a raison, je te jure, elle marque un point. C'est une petite menteuse, non, c'est une petite menteuse. Elle marque un point, la dernière fois, les bagos, ils les ont baisés. Et là, ce soir encore, ils les ont baisés. Mais là, c'est la deuxième fois qu'on le voit. Ah, si tu veux l'écouter, fais-toi plaisir. Moi, je te dis juste qu'il manque encore un autre endroit. Que ça, par contre, si vraiment tu fais confiance aux bagos, vas-y, pas de problème. Il va te pisser Il manque un deuxième endroit. Ouais, il va me pisser dans la tête, hein. Et toi, tu vas me pisser dans la tête, toi ou pas? Autre part, si tu ouais, pisse-moi dessus, s'il te plaît, Réfette. Oh non, putain, non, pas ça. Toi. Quoi? Non, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je veux tout, Réfette. Là, je sais que vous voulez absolument l'avoir, ce mec. Là, ça veut dire, je sais que j'ai de l'ordre dans les mains, là. Ce mec, je l'ai déjà, je sais quand parler avec lui, etc. Moi, ce que je veux, c'est juste qu'il arrête. Et qu'il comprenne enfin... Que la plage elle est pas à sa mère. Ok, regarde.
tu nous on te le ramène. Ok. Je veux des montagnes de munitions. Je veux des montagnes de munitions. Je veux avoir des munitions jusqu'à plus pouvoir les compter. Premièrement. Deuxièmement, je veux le contact avec les Russes. D'ailleurs, pourquoi tu mouilles tes cheveux tout le temps avec de l'eau? Ouais. Tu sais très bien de quoi je parle. C'est bon? Et en échange, c'est quoi, tu m'as dit? Et en échange, je te le ramène. Mais, Céline, ce que tu sais pas, c'est que... Tout à l'heure, j'étais encore avec lui. J'ai pas besoin qu'on me le ramène. Non mais là, ce soir, là... Là, pour ce soir, au moins, je te le ramène et tu fais ce que t'as à faire avec lui, tu vois? Donc là, on va les doubler, les Vagos. Tu sais quoi? Ouais. J'ai envie de t'aider, ok? Ouais. Mais le problème, c'est que ce que tu me proposes, c'est quelque chose que je peux avoir. Lui, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est qu'il me laisse enfin tranquille et qu'il comprenne. Eh ben, là, il est mal en point. On le ramène dans ton barrio et tu fais ce que t'as à faire avec lui. Tu lui fais comprendre comme tu veux. Mais sinon, tu vas galérer à la tienne parce que là, t'as vu comment c'est parti en couille ce soir. Ce serait bien que demain, tu pourras pas l'avoir aussi facilement. Regarde, montagne de munitions en contact avec le russe. Et vous nous protégez les Vagos quand tu as besoin. Vous êtes loin du barrio ou pas? Non, on n'est pas loin. Là-bas, je sors d'ici et j'arrive. Vas-y, mon refait. Vas-y, refait, à de suite. Ouais, voilà. Là, c'est que. Parce que là, je sens qu'il y a un petit truc à gratter. Allez, on le ramène au barrio. On le ramène au barrio. Non, attends, c'est là. Ouais, tu sais pas ce qu'ils nous ont proposé, les Vagos, là. Ils ont proposé quoi? Là, les Vagos, ils nous ont proposé des montagnes de munitions, contact avec les Russes et ils nous protègent jour et nuit. Là, ça va être dur de mieux faire. Putain. Ah non. Attends, est-ce que t'as mieux? Bon, allez, on l'emmène. Ezekiel, j'ai pas compris. Là, Céliane, réfléchis. Attends, viens, Céliane, j'arrive. Garde-le, ce fils de pute, là. Non, ce sera difficile de faire mieux, là, franchement. Et là, regarde, on va faire de la coke. Ouais. Mais non, on s'en bat les couilles de la coke de Los Santos, frérot. Ah ouais, on va la ramener de Caio Périgueux. Ah ouais, c'est vrai. Mais oui, frère. Caio. C'est ça le truc. Putain, dans ma tête, ça y est, j'allais être là. Ben oui, mais non. C'est pour ça. Là, ce qui nous manque, c'est quoi? Ben oui. Ce qui nous manque, c'est quoi? C'est munitions, armes, frère. C'est des meufs. La vie de ma mère, c'est des meufs. Non, des armes. Ouais. Et des armes, ouais. Des armes. Vas-y, armes, on le ramène. Les Russes. Et là, contact avec les Russes et munitions. Là, attention, c'est une question de minutes. Juste pour se venger de tout ce calvaire qu'il nous a fait. Viens, on lui fait espérer que non, qu'on le libère et tout. On lui fait un vrai truc de non, frère, viens, on le ramène. C'est bon, arrête. Viens, on le ramène, frère. Surtout longtemps, vous êtes pas bien. Écoute, non. Eh, on va pas te ramener. Écoute. Non, Bader, viens, on le ramène. C'est Liane, comme je t'expliquais, si là, on fait de la coke, on sera. Attendez, je vais trancher. Là, autant se mettre du côté des Mayans. Bref, ouais. Ouais. Du coup. Je sais pas, vous avez. Parce que lui, il m'a dit voie long terme, mais je m'en bats les couilles du long terme. Moi, je veux maintenant. Moi, je dis juste que les Vagos vont nous baiser au bout d'un moment. Bah, c'est logique, si on fait de la coke, ils vont nous baiser. Non, moi, je pense qu'on le ramène. Ils ont toujours été droits avec nous, les Vagos. Mais ouais, mais si ils nous voient dans ce labo. C'est Liane. Ouais, en fait, ouais, voilà, si on piétine sur leur business, ouais, ils vont nous baiser. Bah oui. Si là, ils sont au courant qu'à l'heure actuelle, on est dans leur labo, déjà, ils vont nous piétiner. Et surtout que, faut que vous notiez un truc. Les Vagos se font piétiner par les Aztecas sur la coke. C'est pour ça que les Vagos. On les a tués, les Aztecas. On les a tués. Ça y est, il n'y a plus d'Aztecas. Tu les vois, les Aztecas, toi? Ouais, je les vois. Je les ai butés. Je les ai butés de mes mains. Et Bader, il en a buté un, j'en ai buté un. Qu'est-ce que tu me racontes? Eh ouais, c'est la caille. Et des chiennes. Il y a aussi les autres groupes qui veulent monter en puissance, comme les Balas et les Familles, et qui vont pas tarder à passer. Vas-y, regarde, on va te ramener. On va te ramener chez toi. Mais regarde, si jamais t'es pas reconnaissant, je viens tous les jours, je te baisse ta mère. Et je te jure que ton bar de mer, je le brûle. Je te jure, hein. Ok. T'as vu là, si t'aurais parlé normalement. Si t'aurais parlé normalement. Merci Bader. Bader, c'est un homme très sage. J'ai pas terminé, il manque encore un point. Ok, viens. Voilà. C'est bon. Donne le circuit et vas-y, on te laisse. Par contre, ne baisse pas, Ezekiel. Les beaucoup de faux bons amis, les gars. Nique ta grand-mère. Ma grand-mère, elle est morte. Pas les couilles. On a tous nos problèmes. Commence pas à faire ton lamar, toi aussi. Allez, la récolte, dépêche-toi. Allez. Tu iras dans la fusée que là-bas. Je sens que vous allez me baiser, les gars. Pour mais non moi, oui, j'ai envie de te baiser, moi. Moi, j'ai envie de te baiser. Non, hein. Non. On est pas, con. Mais si c'est Idriss, le chef. On est contre les... Idriss, tranche. Mais je te dis, Idriss, écoute. Si on fait de la coke, on est forcément contre les Vagos. Donc autant...
Là, si on le livre, on va se mettre vagos. Mais frère, lui, il va nous baiser. À l'instant où il sera remis en forme, il va nous baiser. Là, je pense pas. Parce que s'il fait ça, vraiment, c'est un fils de pute. Et là, c'est la guerre assurée. C'est où la récolte? C'est où? Ramenez-moi au vagos. Allez, ramenez-moi au vagos. Okay. Vas-y, on le ramène au vagos. Ok. Là, je vous fais pas confiance. Vous allez me baiser. Voilà, t'as vu, juste pour ça, on le ramène. Je rigole, c'est beau, c'est derrière, Paléto. C'est au fond. Vas-y, go, Paléto. C'est que là, j'allais. Ah bah là, j'allais dire tous ces efforts pour rien, Bader. J'allais péter un câble, moi. Fuite gauche. Là? Ouais. Ils n'ont pas changé? Bah, à gauche. Tout droit. Top. C'est là? Ouais. Attends, je vais vérifier, fais gaffe, garde-le. Ouais, c'est bon. Bien joué, on te ramène chez toi. C'est bon, c'est impec. Ouais, c'est impec. C'est automatique aussi. Bah ça, je te les rendrai chez toi. Je te les déposerai devant chez toi et je partirai en courant avant que tu me tires dessus, ok? Regarde, je ne te tirerai pas dessus. J'ai les deux, on a les deux et même les balles qui vont avec, parce qu'on n'est pas des putes. Mais c'est Lian, pour moi là on a négocié pour pas le livrer chez les Vagos, on n'a pas négocié pour les armes là. Ah là, par contre vous abusez un tout petit non, peu. On a dit non, non, ouais, non, on abuse. On a dit qu'on lui rendait les armes. Mais pas les munitions des armes. Mais t'es un bon, Ezekiel, t'es un bon. Ah, vous êtes des bons aussi, les gars. Ça se passe la guerre avec l'orange? Bah, ça y est, ils sont morts. Attends, tu les as butés? Non, c'est pas moi qui les ai butés. Mais on a manipulé des gens pour qu'ils les butent à notre place. Ah, ça le fait, hein. Comme on a fait avec les Vagos et toi, petit fils de pute, tu vas mourir. Ils vont te buter. T'es on mort. T'a couillé. On t'a couillé. On t'a couillé. On t'a couillé. Et ouais. Ah là là. Et en plus, on va aller faire de la coke grâce à toi. Merci, Ezekiel. Ezekiel, zéro IQ. Merci, petit fils de pute. Je vais mourir, les mecs. Ah là là. Tu nous as bien ralassé la coke. T'es un bon. Un bon troll. Eh ouais, la famille, on vous ramène le gros lard là, je le dépose où là? Aïe. Attends, je demande à la radio. Je le livre où ce truc là? Mais c'est un beau bijou ça. T'as vu? En main propre, comme avec Amazon. Pas de boîte aux lettres. C'est cool le petit bijou que t'as dans ta main là? Ah mon ref, ça c'est les temps changent. T'as capté, c'est un truc que je te mets une rafale, tu cannes, tu vois ce que je veux dire? Les petits sont devenus des grands. Elle où la répète? Elle est à l'hôpital, là, va arriver là. Et l'argent aussi, il est levé. Faut payer. Okay, moi je peux rien faire tant qu'elle est pas là, moi je suis pas au courant de ça. Je le mets où? Vous l'avez attrapé où celui-là? Eh, on te dit pas. Ouais, pose-le là-bas sur la table, là-bas. On te dit pas. Écoutez, je sais que je suis en mauvaise posture, que vous pensez que je vais vous baiser, etc. Je ne ferai plus rien, je reste à Vanwood, vous avez le quartier de la plage. Parfait, ça j'aime bien. Moi je pense, Simon, vous devriez le tuer direct. Je suis d'accord. Tu penses on élimine la tête du dragon directement? Il a baisé ta mère ou quoi? Oh les gars, maintenant on est le tour. Vous pouvez me rapporter un couteau s'il vous plaît? Le mien. Oh, c'est avec plaisir, tata. Tiens. C'est pour moi tes cadeaux, la vie de ma mère. Tiens. Espèce pourquoi, de cabron. Pourquoi au nom Ezekiel? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais ça va, pas entre nous quand même. Regarde, laisse-moi une chance et si je te renique, là tu me coupes un doigt, mais quand même. Ah d'accord, donc tu crois que c'est la porte ouverte, hein? Je laisse non, tout le monde me niquer non, et après arrête, je dis... Plaît, tiens mes doigts, s'il te plaît. Dario, Cuccio, Omar, venez. T'es pas obligé de faire ça. Écoute, je suis... comment dire... Je suis beaucoup trop intelligente pour perdre mon temps à faire les comptes, tu vois. Si je dois à chaque fois compter, ok. Ezekiel m'a baisé combien de fois? Une fois, bon, ça va. Tu m'as baisé aussi? Non, ça va, franchement. Autant. Non, tu m'as baisé plein de fois. Non, franchement, tu m'as baisé plein de fois. Regarde ce qu'on fait. Non, mais regarde. Viens, tu me laisses partir. Je me souviendrai toute ma vie que tu m'as laissé partir et tu m'as coupé de toi. Et hop, plus rien. Fais un pas vers moi, je fais un pas vers toi. À quel moment je t'ai baisé? Plein de fois, tu m'as baisé. Vente de drogue dans Vanwood où vous avez vu la dernière fois. Mais c'était des petites chez toi. J'ai rien dit. Mais attends, ça fait des semaines et des semaines que je te dis de pas venir et tu es venu me chier à la gueule en me disant oui, je vends chez toi. Non, alors ne me parle pas de baiser.
Mais bien sûr que si, tu m'as dit. Il y a longtemps. C'était quand on parlait des 25%. Tu sais, regarde. Ce que tu n'as pas voulu entrer dans ta cabeça là, tu vois cette tête là. Ta cabeça de cogno. Ouais, c'est vrai que c'est creux. Ta cabeça là, de cogno là. Ouais. Regarde, laisse-moi partir, me coupe pas de doigts. C'est bon, fini. Je suis déjà dans un pitoyable état, s'il te plaît, tu vois. Quand même. C'est super sadomasochiste hein, ce que tu veux faire. Ouais, là, c'est un stade de psychopathe. Donne-moi ta main. Non, ça va quand même, t'es pas obligé de faire ça. Donne-moi ta main aux écoles, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu as personne pour te s'occuper de ton petit doigt en rentrant? Camilla, s'il te plaît. Ah, j'oubliais. Ezekiel. Quoi? Je rentre avec toi ce soir. Quoi? Non, massage des pieds, tu m'as dit. Non, on l'a pas ramené pour ça. Attends, on s'est fait tacler là, direct là? Non, c'est vrai qu'elle doit rentrer pour moi, mais tant mieux, t'es pas obligé de faire ça avec ça, quand même. De quoi? Viens, on rentre au bar, on dort ensemble, et nique sa mère, il se passera du tout entre toi et moi. Oh, comment il parle à la jefe là? Donne-moi ton petit doigt, allez. T'es pire, toi alors. Non, ça va, s'il te plaît, Camilla, arrête tes couilles. Allez. Toi, dis ta mère, t'es un Camilla, s'il te plaît. Là, c'est pas Camilla, là, c'est entre la jefe et le président. Allez, nique les idées. Okay, et la jefe, elle aime pas. Viens, ok, et bah, la jefa, pour dédommagement, te donne 20 000 $. 20 000 $ contre mon doigt, ça le fait. 20 000 $ contre le plaisir de t'enlever ton doigt. Ouais. Écoute, Ezekiel, il fait vraiment pas ça par plaisir. Il fait ça. Arrête là, tu fais vraiment ça par plaisir. Non, je te jure que c'est de ça que je me nourris. Ok, s'il te plaît, regarde, 20 000 $, tu te coupes pas le doigt, ça suffit, s'il te plaît, commence pas. Mais écoute-moi bien, s'il te plaît. Tu vois, quand on fait nos petits rendez-vous, je vais être de plus en plus aigri, ça va pas te plaire, tu vois. C'est pas grave, je préfère pas qu'on soit aigri, non mais. 100%, mais si tu veux, je sais. Non, je te jure, non, arrête tes couilles. 30 000 $. 30 000 $? 30 000 $. Ton doigt. 50 000 $. Vous voulez 50 000 $, les hermanos? Moi j'aurais dit 100 000. Vous voulez 50 000 $ ou pas? Non, Réfé, c'est quand même le Réfé là, il a besoin de ses doigts quand même. Va calmer Galerio, va calmer Galerio. 50 000, non franchement. Galerio, pourquoi? Va calmer, il va niquer la mère d'Idriss là, ça y est. Arrête, j'ai vraiment envie de le faire. Oui, mais t'as envie de le faire. Fais-le. Camilla, tends ton oreille, tends ton oreille. Ok. Je fais comment moi ce soir? C'est le petit. Et alors? J'ai besoin du petit, fais pas ça putain. De toute façon tu savais pas. Ça part en couille de fou là. Prépare-toi la danse. Non s'il te plaît, je t'ai demandé 50 000, ça va 50 000. J'ai le barreau, j'aime bien. Camilla s'il te plaît. Arrête. Camilla. Bon tu coupes ou tu coupes pas là, on a pas que ça à faire hein. Grande madame jefe. Grande madame jefe. Bonita jefe. Bonita. Grande madame jefe. Grande madame jefe. Allez. Et la prochaine fois, laissez-moi le frapper là. On s'arrache? Non, en vrai, non, ça sert à rien. On s'arrache, Bader? Ça sert à rien. Y'a quelqu'un de réfléchi derrière. Ça sert à rien. Viens, on s'arrache. Ta mère, je suis sûr. On aurait dit un quoi là? Ouais, bah, t'as pas vu comment il se baissait, j'ai même pas envie de dire ce qu'il faisait là. Ah, petite pute. Vas-y, Céline, bonsoir à toi. Frère. Petite poucave. Quelle poucave? Non, vas-y, descends. Non, mais pas ici. Y'a mon meuf là-bas. Ah, ça y est, t'inquiète. Et bon, on va le nier. On fait vite. Vas-y, bref, du coup. Demain, j'ai besoin de vous. Pourquoi faire? À quelle heure? Et combien? Ah là tu dis Steph les petite chienne que t'es hein. Ah là tu dis Steph. Hey, c'est Liane. Ouais. Il m'a appelé. Qui? Ezekiel. Il m'a dit allô, tu peux venir au club s'il te plaît. Ah là tu fais. Eh hey, je vais venir dès que j'ai fini mes rendez-vous. C'est quoi des munitions? Des têtes. Alors vous allez choper des têtes. Hey, en gros on va s'en sortir à combien avec le discours? Je sais pas. Voilà, parle pif mon frère. Peut-être je sais pas, 25-34 par tête.
Putain, merde, ça y est. Ah, par tête. Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Par tête, ouais. Ça va, vas-y. Si on a chopé 3-4, ça fait vas-y, on va t'en ramener une bonne vingtaine. Mais y'a pas de bonne vingtaine, c'est des mecs en particulier. Ah, c'est quoi comme mec? T'as la liste ou tu l'as fait des... Quoi, c'est des rappeurs? Regarde, c'est ça. Tu vois, on peut pas avancer avec toi, Céliane. Pourquoi on peut pas avancer? Par tête, il a dit. On peut pas avancer. Comment ça move calme? Eh, vas-y, vas-y. Moi, je vous propose des boys. Attends, attends. Mais non, je te jure, on ne discute pas tant qu'il a pas lavé sa merde. Vas-y, si jamais ta discussion elle m'intéresse, je lave ma merde. Bah, je l'ai déjà proposé à Idriss. C'est quoi? Vous allez choper des mecs et ces mecs-là, c'est pour le label. Quel et mec? 30k par tête, en gros. Ouais. Là, il y a déjà des gens à chercher là. Regarde, je vais t'expliquer. En gros, tu vois, il y a deux labels. Il y a le nôtre et il y a le Rising Star. C'est celui qui est géré par Casper, hein, Balas. Mm-hmm. Et le truc, c'est que, tu vois, notre guerre, on veut la faire guerre, territoire, etc. Mais on veut aussi leur faire la guerre là où ils sont d'argent. Et le truc, c'est que, hormis des Balas, eh ben, ils ont des artistes qui sont pas Balas et qui sont signés au Rising Star. Tu comprends? Eh, hey, wallah, j'ai pas écouté. Je te jure, j'arrive pas. C'est simple. Qui a écouté la bannière? Tu ne sais pas simplifier, Moussa. C'est simple. On a un label. Les Balas, ils ont un label. Je veux choper leurs artistes. Tu comprends pas? Ok, ok. Voilà, tout simple. Voilà, là, c'est simple. Je te jure. Attends, que dis-nous quel Balas. Le nom. C'est pas des Balas. C'est pas des Balas. On va signer des artistes. C'est pas Balas. Ah, ok. Des artistes, ils ont des Balas. T'as des photos, t'as des noms? Non, justement, et demain je vais choper ces blazes. Les Balas, je vais pas les recruter dans mon label, t'as un baiser. Mais il y a des Vagos, okay. Y a des mecs qui sont affiliés à aucun gang. Et si rap bien, tu le recrutes ou pas? Mais moi je m'en bats les couilles, tant qu'ils font des vues, tant qu'ils rapportent de l'argent, j'en ai rien à foutre. Mais si jamais c'est un Balas, il rappe mieux que toutes tes familles, tu fais comment? Trouve-le moi et après on verra. Trouve-moi un mec à Ghost Street. Ouais, mais sauf que demain, nous, on n'est pas là. Ok. Ah, on n'est pas là? On est à Cayo Perico demain, nous. Ouais, mais on est là, mais. Enfin, tard un peu. Si, on sera là. Oh, écoute, Moussa, nous on gère des affaires, nous. Nous, t'as vu les petits trucs comme. Les petits problèmes comme toi là. Nous, on est au-dessus maintenant. Mais Caillou, tu crois que tu vas avoir la main et l'exclusivité comme. Tout seul tu... Bien sûr qu'on va mettre notre main aussi dessus, t'es un baiser. Eh, hey, tu vas rien mettre du tout, sinon on va vous baiser. En fait, regarde, Céliane, c'est simple. Je vais être clair avec toi, Céliane. Tant que j'ai l'opportunité d'être au-dessus de toi, je le ferai. Eh ben, tant que tu vas essayer d'être au-dessus de moi, je te baise. Bonne chance à toi. Je te parle sérieux, Moussa. Ok, mais moi je te dis, je suis pas James, moi. Et moi je te dis, moi non plus, je suis pas James, moi. Si je peux avoir l'occasion de pas dépendre de toi pour ta coque, de caillou ou quoi que ce soit, je t'assure que je la cherche moi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Comment ça, qu'est-ce que je veux? Je cherche un BMX, t'as un problème, l'Obsa? Ça c'est pour toi, et ça c'est pour toi, ça. Ça c'est pour toi aussi, petit fils de pute. Voilà, c'est gratuit. Ah ouais. Cherche les feuilles depuis tout à l'heure. Tu attends que je m'enlève. Lui c'est qui c'est. Mais même si tu te relèves, je vais te remettre par terre. Petite pute. Je Patrick, il va te gifler, yo. Appelle même ta mère, fils de pute. Allez. Ah ça, il a un point. Dégage. On s'amuse. Oh toi, net corbeau. Il a caché son dé. Riviette. On vient chercher quelqu'un. Oh mon dieu. On va chercher qui? Des sacoches. Allez, les sacoches. Allez, let's go. Venez. Ah ouais, c'est si facile. Allez, toi aussi. Ah, c'est vous le russe? Ça va, monsieur le russe? On le fait, venez. Ah, par contre. Ah là, à l'arrière, le bon Jimmy. Oh la dé pour vous. Oh la dé. Ah, les familles, vous êtes bien au courant de ce qu'on a fait aux hommes. Va dans le coffre, Derba. Derba, viens. Eh, bande de fils de pute là. Vous voulez que je vous allume ou quoi? C'est bon. Jette ton arme, téléphone, radio. Dans le coffre. Ils font quoi là? Attends, les familles, vous dites rien là? Ta gueule. Les gars, on est dans votre quartier ou pas? Défendez-nous! Niquez-les. Peut-être parce que eux, ils nous connaissent. On va prendre à faire connaissance, vous inquiétez pas. Ouais, on rigolait, ouais. Ah mais je te reconnais là, le blond là qui conduit. T'étais avec nous tout à l'heure. Tu viens de te rendre compte qu'on vient de se battre là. Oui, c'est la petite pute russe qu'on a tapé. Enfin, que j'ai traité de petite pute, mais qui n'est pas une petite pute en fait. Sors du coffre, on est arrêté. Parfait. Bon, vous êtes qui? Comment ça, on est qui? Si vous avez une telle paire de couilles, c'est que vous êtes quelqu'un. On est les trois mousquetaires. C'est vrai? On est les frères, on est les trois frères. D'accord, j'ai avoir vu que vous avez un ami qui a une arme, vous êtes tous armés. Ouais. Vous êtes armés où? Comment ça, on est armés où? On est armés à Los Santos. Vous êtes armés où? Ah! Qui vous a armés? Ah, on se débrouille. La rue.
Ça répond pas à la question. Qui vous a armé? On se débrouille. Qui vous a armé? C'est la rue qui nous a armé. Un peu tout le monde. Je trouve qu'il y en a un qui crée un peu trop là au milieu. Ah bah pardon. Et il va pas faire ça maintenant, Elias, ce fils de pute. Merci. Du coup, oh, Elias! Pas la question, qui vous a armé? Pas maintenant! Oh, t'es au courant de ce qui est arrivé à James ou pas? Ah ouais. Il y a moins de 10 minutes. Enfin non. Une heure, je crois. Mais t'es trop con. En fait, c'est sur ça par réflexe. Non, c'est faux, c'est une blague. Non. On entend de fou. Ça me choque même vraiment pas. Vas-y, un clou. Non, non, non. Après, vraiment, t'arrêtes. Vraiment, c'est une blague. Ça nous arrange. Je vous jure, c'est une blague. La vie de ma mère. Mais vous savez, de toute façon. Vous savez vraiment que. Ça reste dans mon tête. Le truc, c'est que ça me choque même pas que ce soit James en fait. Mais c'est pas James. C'est notre ennemi. C'est notre ennemi. Non, c'est regardez, nous on est des mecs. Voilà, regarde, je vais vous dire la stricte vérité, les gars. D'accord. Les armes, on les a volées, tout simplement. On les a volées à des mecs de gang, si vous voulez tout savoir. D'accord. C'est tout. Ok, parfait. Voilà, autre chose. Orange uniquement. Mais après, si jamais vous voulez qu'on passe par vous, on passe par vous, hein. Ouais, on peut passer par vous si vous voulez. Non, c'est trop préférable, c'est plus simple pour tout le monde. Les prix sont intéressants, hein, parce qu'on travaille pas avec tout le monde. Après, si vous les avez volés, bien joué à vous. Là, il n'y a aucun problème. Non, il y a un autre mec qui. Il y a un mec qui nous les a vendus. C'est toi qui? Bah, on sait pas. Comment ça, vous savez pas? Vous avez eu son contact comment? Vous l'avez vu où? Comment? En gros, t'as vu les Aztecas? Non. Ouais. On leur a dit, ouais, on veut des armes. Ils nous ont dit, ouais, on va te présenter un mec. Le mec, il est venu, costard gris. Il était tout à bien en gris, tu vois. Costard gris. Et il nous a vendu des pistolets. Un numéro, quelque chose? Non, c'est les Aztecas qui le connaissaient, c'est eux qui nous ont fait la passe D. Ouais. Non, pas Sandro, l'autre, un autre. Mais moi, ça s'appelle, il a un nom de chef de pute un peu. Il avait des cheveux longs et ils ont des pieds nus. Mais de toute façon, nous on l'a trouvé, c'était un peu un amateur, ça veut dire nous on passe par vous, on préfère. Et on vous aide si vous voulez le traquer. Est-ce que vous avez un numéro pour contact pour plus tard? Ouais. Ouais. 91-75. D'accord, parfait. Et quoi, vous vendez quoi, vous? Tout. Tout? On vend tout. Tu veux un tank ou 91-75? Ouais, je veux un tank, ouais. 91-75. Il est bien aussi. Combien un tank? Ça coûte combien un tank? C'est Liane. Avec un S et un Y. Faut que je me renseigne, mais je crois que ça coûte plus cher qu'un Beretta. Moi c'est Darba, la famille. 0944, pas d'air. 0944, pas d'air. Un tank comme papa. B.A. d'air. Comme papa, pas d'air, un tank. Il avait un tank, papa? Il avait un tank, je te jure, il avait un tank. Ah, vous êtes frère. Comment? Ouais. Ça se voit pas, parce que lui, il a fait une teinture. Bah ouais, c'est la honte de l'âme, il fait un peu. Il a le droit, s'il trouve ça mieux. Ouais, mais je trouve que sa coupe, c'est une vraie coupe de salope, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, chef, hein. Mais moi, je trouve que c'est une coupe de fils de pute que... Voilà, quoi. J'aime pas trop. Moi, j'aime bien, personnellement. Je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est la coupe aux faibles, aux lâches, aux... Ah oui. Ouais, c'est ça. Non, elle est bien, la coupe, elle est bien, Bader. Elle est bien. Ouais, je pense que tu... Faut mieux pour toi que tu aimes bien cette coupe. Ouais. Ah, comme pourquoi? Ok. Je sais pas, ton frère, il a la même coupe et... T'as quand même une personne avec une AK entre les mains qui a la même coupe. Ah ouais, elle a la même coupe. Ah, mais non, mais en fait ça lui va mieux. C'est ça le de... Ouais, ça va, ouais, rien à voir. Ah ouais. Ouais, c'est une coupe de Ruskov. Ok. Du coup, vous êtes qui, vous? Parce que bon, on s'est présenté, mais... On est les revendeurs pour le moment. Revendeurs de quoi? Mais il se trouve que y a une place à prendre. Pour nous? On revend les bonbons, idiot. Revendeur de CD. On est les revendeurs d'armes. Vous avez pas encore compris ou quoi? Si. Tu me demandes si on a un tank. Bah si, mais... C'est qu'on les voit. Ouais, mais vous les vendez combien? Ça, on parlera de ça plus tard, c'est pour ça qu'on a repris les contacts. Mais comment ça, pour le moment? Pour le moment. Mais pourquoi vous avez dit qu'il y a une place à prendre? Parce qu'il y a une place à prendre, on va pas s'occuper de ça. Parce que le dernier vendeur d'armes, et on l'a plus revu, plus jamais revu. Mais comment ça, le vendeur d'armes? En gros, pour te faire simple, on est les grossistes. Ouais. Il y a des vendeurs d'armes en ville. Ouais. T'es bien au courant vu que tu traînes à Forum et à... Ouais, je suis au courant. Oh non, pas encore le script. Voilà. Ouais, et du coup comme on l'a dit, il y a une place à prendre. Bah, et les vendeurs... Vas-y, bah on prend la place.
Non, non, non. Non, mais déjà, on va se. Comment on prend la place? C'était quoi? C'est un CV à déposer? C'est pas, il me dit, il y a une place à prendre. Vas-y, frère, on fonce, on a plein d'argent. Voilà, la vie de ma vie. Vous dites ça, vous nous perches, vous nous vendez du rêve. Vous... Ah ouais, tu me dis, il y a une place à prendre. Vas-y, moi, je la prends ta place. Voilà, on la prend, on est là. Bonjour, enchanté, je sais vendre des armes. Problème. On va faire mais est-ce qu'il y a des gens qui ont des. Est-ce qu'il y a des mecs déter qui t'ont cogné comme tout à l'heure? Non, il y en a pas. Est-ce que t'as reçu des patates comme nous, on t'en a mis des patates, fils de pute, toi? Pardon, pardon, non, c'est bon, pardon, c'est l'adrénaline, c'est l'adrénaline, c'est l'adrénaline, je suis désolé. Au début, je me disais, putain, il a des couilles, il a voulu rajouter le moteur. Eh, désolé, désolé, c'est l'adrénaline, c'est l'adrénaline. Non. Calmez-vous. Désolé. Expliquez-nous, comment ça place à prendre? Comment vous allez choisir? Comment ça se passe? C'est qui le chef? C'est toi ou c'est lui? Pourquoi vous appelez les Russes? Mais il y a un Russe et il y a un Antillais, pourquoi? Je mais si, t'es un russe. Tout. Et alors, c'est pas parce que je suis un russe que. J'aime bien, je vous voyais pas sinon. Au pire, on peut faire ça. Hein. Ah merde, j'ai pas ma lampe torche. Ouais, du coup, on t'écoute, ouais. Bah, je sais pas, il m'a avoir coupé avec sa lumière, ça m'a surpris. Ça fait combien de temps que vous cherchez des. T'as déjà vu, t'as déjà vu des mecs comme ça qui mettent des lumières comme ça? T'as déjà vu? Non, jamais, jamais. T'as vu? J'avoue que là, tu me poses une colle. Bon, ça fait longtemps, et là, on en peut plus. C'est vrai. Mais chef, vous êtes en train de chercher des gens ou pas? Bien sûr! Et pour l'instant, vous avez des pistes ou pas du tout? Aucune. Tu crois qu'on va donner ça aux familles? Et ils vont jamais vendre le vagos vu qu'ils sont. C'est vrai, nous, écoute, chef, en tout cas, nous, l'offre. Nous on vend pas pour toi. Écoute, nous on va pas vendre pour toi. On te connaît pas, on te fait pas confiance. On verra avec le temps. Avec le temps, si jamais on voit que vous êtes des bons. Voilà. Je te dis qu'on a pris les contacts. Non, ton offre était intéressante, mais on la décline, chef. Si jamais. Non, on la décline pas. On la décline, la vie de ma mère, on la décline. Non, on la décline pas, on juste. Elle est suspendue. On la prend en compte. Non, arrête. Non, mais écoute. On a bien entendu votre offre, on va y réfléchir, merci. Mais pour l'instant, on vous connaît pas, ça se trouve vous êtes des flics, nous on n'en sait rien. Ok, très bien. Bon, mais parfait. Flic avec une AK-47 et à une demain, du coup. Ouais, bah, peut-être que vous êtes des flics infiltrés. Sans faute, demain sans faute. Ouais. Demain 21h sans pas. Faute. Vas-y, demain 21h sans faute. Eh, ouais, comme quoi ça paye de niquer des mères, Bader, je te l'ai dit, faut taper tout le monde. Je t'ai dit, faut taper tout le monde. Non, mais allez, nique ta mère, c'est toi que tu m'as dit non, faut bien parler aux gens, ça. C'est moi, je vous ai chauffé, je vous ai mis, voilà, c'est comme ça qu'il faut être. Depuis petit on me fascine, faut des lovés pour les filles ou elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai des crocs, ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de me chasser.